Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle édition des Joueurs du Dimanche. On est dimanche, mais il n'est pas 16h et pour cause, il y a un petit événement en ce moment qui s'appelle la Coupe du Monde. Voilà. Et je sais que vous êtes probablement nombreux à vouloir voir le match à 16h, France contre la Pologne je crois. Alors autant moi j'en ai rien à foutre. Autant je comprends que vous ayez envie de le voir. Et en plus, Rof, il a aussi envie de le voir. Ouais. Comment ça va, Rof? J'ai envie de boycotter ça sur ton grand écran géant. Voilà. Ça va très très bien. Ouais, couché un peu tard, streamé jusqu'à pas d'heure hier, mais c'était très cool. Et aujourd'hui, un petit jeu avec une mécanique innovante qu'on a bien envie de tester avec notamment l'exceptionnelle Marie Grange. Comment elle va? Au moins. Eh bien, super. Moi aussi, très contente de venir le tester. Alors, moi aussi, je m'en fiche un petit peu du foot. Mais je suis quand même pour la France, de loin. Bah, évidemment. Après. Je serai le premier à me réjouir d'une victoire française. Cela dit, voilà, je ne vais pas me damner pour mater un match. Vous pourriez être raccord avec vous-même, être en mode « je voudrais que la France perde » de façon à ce qu'il y ait moins de matchs de la France pour pouvoir avoir plus de temps. Non, j'en suis pas là quand même. On est pas là. Je ne suis pas à ce point de haine. Quand même pas. Est-ce que tout le monde va bien dans le chat aussi? Est-ce que tout va bien pareil au niveau du son? Vous savez, quand je change de setup, parce que vendredi, si vous l'avez suivi, il y avait le JDR sur Critical. D'ailleurs, il y a l'affiche qui est derrière Rof. Il y a encore l'affiche qui est sur la porte. Pas, normalement, on va voir l'affiche qui est juste derrière moi, Critical. Voilà. Il y avait un JDR vendredi. Il y avait un JDR vendredi. Tu n'étais pas là parce que je crois que ta voiture a rendu l'âme. Il était temps. Ah. Mais d'ailleurs, il va falloir qu'on parle un petit peu de ça. Parce que... On parlera de ça dans le récap lundi. Ouais, bon, on en parlera dans le récap lundi. Il y a plein de choses à dire. Vous l'entendez peut-être à ma voix. Ouais, j'ai des petits soucis de gorge. Je sais pas si c'est un petit rhume, une petite pharyngite, un truc comme ça. Donc, attention. Un petit peu de gel en partant, les amis. Attrapez pas mes miasmes. Heureusement, ça va. Cette table est immense. Elle est magnifique. On vous le rappelle. Mais ça, c'est par awegos.com si vous voulez la même table. Et vous allez sur leur site. Vous prenez la table de Zeus si vous voulez exactement la même. Puis vous prenez toutes les options si vous voulez exactement la même. Et ça vous fait une table à 6000 balles. Mais si vous avez moins d'argent, vous pouvez prendre que la table basique avec ses fonctions simples et les trucs les plus essentiels. Et vous en sortirez à un prix tout à fait raisonnable parce qu'en fait, avant de choisir de travailler avec eux, j'ai quand même regardé les différents concurrents. En fait, les autres sont aussi bien ou moins bien, voire souvent plus cher. Ouais. Et les mecs sont tellement sûrs d'eux que quand vous allez sur le catalogue de Messas par Awegos, à la fin, c'est écrit « On est tellement sûrs de nous qu'on vous donne le lien des sites de nos concurrents pour que vous alliez vérifier qu'on est meilleurs. » Et moi, je suis en mode « J'aime beaucoup. » J'aime bien les mecs qui ont des burnes comme ça me plaît beaucoup. Bref, allez checker ce qu'ils font. Des coronesses, si je peux me permettre. Des coronesses. Ils font du bon taf et je suis très très content de cette table. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo bientôt sur la chaîne YouTube qui sera dédiée à cette table, déjà parce que c'est le deal que j'ai avec eux. Mais en plus, ça me permettra d'entrer un petit peu dans les détails de tout ce que j'attendais et n'attendais pas de cette table, de ce que ça me permet de faire ou pas, de ce qui m'a plu, de ce qui m'a peut-être déçu. Et de ce que des accessoires que je vous recommande ou pas. Comme ça, ça vous permettra de faire un petit peu votre commande, parce que j'ai un peu tout testé. Donc, comme ça, on sera un peu au point. En tout cas, après quelques semaines de test de ce principe de truc un peu creusé, j'avais peur que ce soit chiant. Un peu chiant. Ouais. Je me disais, est-ce que c'est pas une feature? Et en vrai, c'est le même principe. Là, tu peux poser tes mains sans avoir à être gêné par le jeu. C'est pas indispensable, hein, pas non plus, mais ça fait clairement le cas. Moi, j'avais aussi peur que cette surélévation, la table, pensez au mot surélévation, me casse les burnes, et en fait, je ne reviendrai pas en arrière, c'est vraiment trop agréable. On est parti, on va jouer à précognition, je vous explique les règles, ensuite on joue, et normalement à 16h, match. Je s'appelle précognition. Je pense qu'à la fin du jeu, on fera un pronostic qui sera normalement vérifié. On verra bien. Voici la boîte de précognition. Elle est très belle. On en profite pour remercier évidemment Ludonaut qui sponsorise cette émission et qui permet à cette émission de vivre, de survivre. Et ça, c'est merveilleux. On est parti pour vous expliquer un petit peu tout ça. D'ailleurs, sachez que si vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent en plein milieu de l'émission, eh bien vous pouvez les rediriger vers le C'est pas si compliqué qui se trouve sur Twitch, enfin qui se trouve sur Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Et qui vous explique en 2 minutes c'est quoi le jeu et à peu près comment ça se joue.
Je suis assez fier de ces vidéos-là, donc n'hésitez pas à les partager. On est parti. On zoome un peu. Et explication. Le but du jeu, dans Préconition, c'est en réalité de sauver un maximum d'humains. Ça, c'est pour le lore. Maintenant, si vous êtes de simples gamers, le but du jeu, c'est de gagner des points de victoire. Hein, voilà, les humains représentent en fait des points de victoire. Vos humains, eh bien, ce sont les petites figurines bleues qui se trouvent ici. Votre but, c'est qu'à la fin de la partie, vous ayez un maximum de petites figurines bleues ici, d'accord ? Dans les humains en bonne santé. Voilà, c'est un peu ça le délire. Vous allez démarrer avec quelques humains en bonne santé, en l'occurrence 4. D'ailleurs, je vous invite à en prendre 4 chacun. Maintenant, comment est-ce qu'on réussit à avoir un maximum d'humains en bonne santé sur ce plateau ? Eh bien, c'est relativement simple. Vous allez en fait jouer des cartes qui vont vous permettre de récupérer des ressources. Et grâce à ces ressources, eh bien, vous allez pouvoir récupérer des nouveaux humains qui eux, vont être contaminés et qui vont aller ici. Je vais zoomer sur mon plateau. Ça va être beaucoup plus clair. Est-ce que ça marche ? J'ai le pouvoir de faire ça ? J'ai le pouvoir de faire ça, même si je n'ai pas tout à fait fait mon plan. Mais regardez, ouais, c'est beau. On s'y retrouve, on s'y retrouve. Tout va bien. Voilà. Voici mon plan de jeu. Donc, quand vous allez récupérer des humains, donc grâce à des cartes, hein, je vais vous donner des petits exemples comme ça. Donc voilà, par exemple, ici, cette carte permet de récupérer un humain. D'accord ? Quand vous prenez ceci, vous récupérez un humain et il va dans les humains contaminés. Comment on fait pour passer un humain contaminé à un humain sain ? Bien pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle des immunes. C'est des genres d'humains, mais ils ont des pouvoirs spéciaux. Voilà, c'est des immunes. Et en fait, il y a trois types d'immunes. Il y a les immunes protecteurs, qui vont ici. Il y a les immunes soigneurs, qui vont ici. Et il y a les immunes pressions, qui voient l'avenir. Alors nous, tous les trois, les joueurs, sont les immunes pressions. Et les petites figurines, ici, sont les immunes soigneurs et les immunes protecteurs. En fait, on va jouer avec ces deux-là, et je vous expliquer à quoi ils servent. Les soigneurs, ils vont se mettre dans cette petite case, et à la manière d'un petit escalier comme ça, eh bien, à la fin du tour, on va prendre ceux qui sont contaminés et on va soigner un humain par immune soigneur qui est ici. Donc là, j'en ai un ici, imaginons que si j'en avais eu deux, j'en aurais soigné qu'un seul qui se serait retrouvé ici. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des humains sains ? Eh bien, parce que c'est à la fois, excusez-moi, vos points de victoire, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de payer vos cartes. En bas à gauche des cartes, excusez-moi, vous avez un coût qui est indiqué et eh bien c'est le nombre d'humains que vous allez devoir malheureusement sacrifier eh bien, pour payer ces cartes. Sacrifier, en tout cas, ils vont aller à l'extérieur et comme l'extérieur est contaminé, ils reviendront un peu violets. Quoi. Mais ils sont pour aller re-soigner derrière. Quoi, c'est ça, quoi. Voilà, ils sont un petit peu déçus. Donc vous allez il y aura des vrais sacrifices peut-être dans le jeu, mais pour l'instant, ils reviennent. Sacrifiera Rof. Oui. Ok, donc là, moi, tu sais pas, je suis impressionné. Vous avez compris, on va dire, la mécanique principale au niveau des points de victoire. Maintenant, il y a d'autres zones sur votre plateau de jeu et elles ont un intérêt. La nourriture, ici, eh bien, en fait, vous allez essayer d'en récupérer tout au long du jeu, notamment avec des cartes jaunes. Il y a quatre couleurs de cartes, hein, bleu, rouge, vert, jaune. Les bleus, en général, permettent d'obtenir des humains. Les vertes, en général, permettent d'obtenir des immunes. Les rouges permettent d'obtenir des batteries, j'y viendrai après. Et les jaunes permettent d'obtenir de la bouffe. La bouffe, c'est cette ressource-là qui va monter sur cette petite échelle. Quand vous en avez plus que 9, eh bien, pas de problème. Vous prenez un petit jeton qui vous indique que vous en avez, hop, ici, 10 plus 3, 13. Je galère de ouf parce que... Bonne chance, gars, on est tous derrière toi. Tu es vraiment quelqu'un de professionnel. Ça va bien se passer. Merci Larsina, évidemment, pour ce sub. Donc vous récupérez de la bouffe. Et à quoi sert la bouffe ? La bouffe, elle sert à ça. Au fil du jeu, on va faire différentes manches. En fait, chaque manche est représentée par ce bateau qui va avancer sur ce chemin. En fait, le lore du jeu, c'est que la terre est contaminée et on va tous essayer de se rendre sur une île qui est protégée par des algues magiques. Et pour se rendre sur cette île, eh bien, on va devoir prendre chacun un bateau. Et ce bateau représente notre flotte. En fait. Et donc, avec nos bateaux, on va se rendre jusqu'à cette île ici. Sauf que ça va prendre du temps, ça va prendre même plusieurs saisons. Et à chaque changement de saison, on fait une petite halte ici et on se nourrit. C'est cool, on se nourrit tous les 3 mois, ouais. Même pratique. Et en fait, sur ces grosses tuiles, eh bien, on va devoir comparer un petit peu le nombre de survivants qu'on a avec la nourriture qu'on a. Et par exemple, si vous avez, je dis n'importe quoi, 13 survivants et que vous n'avez que 10 de nourriture, eh bien, il y en a 3 qui crèvent.
Parce qu'ils n'ont pas de bouffe. Et quand t'as pas de bouffe, t'as faim. Voilà pour la bouffe. Quelqu'un conseille un immune pour Maxildan. Ouais, je veux bien un immune soigneur. Ça me ferait du bien. Un immune soigneur me ferait beaucoup de bien, effectivement. Je continue. Ça, c'était donc pour la nourriture. Ensuite, je continue avec la dernière ressource qui est ici, qui sont ici les batteries. Les batteries, elles sont représentées, merci Pierre, par ces petits jetons. Vous allez les obtenir avec notamment des cartes rouges. Et quand vous obtenez des batteries, vous allez pouvoir choisir de les poser sur les petits emplacements de batteries que vous voyez ici. D'accord. Quand un emplacement, quand une salle des machines est totalement alimentée, donc la première coûte une batterie, puis deux batteries, puis trois batteries, eh bien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire son effet ici. Donc, en gros, comment ça va se passer ? On va jouer des cartes, on va faire les effets des cartes, puis on va faire les effets des batteries, puis on va faire la fin de manche. Ils ont fait un truc qui est pas trop mal foutu, d'ailleurs, dans le jeu, c'est qu'ils ont donné deux cartes qui résument un petit peu le tour de jeu. Donc, vous mettez ces cartes comme ceci. Merci aux copains d'avoir sub. Ah, merci, Ted, t'es un frérot. Vous prenez les cartes dans ce sens-là, et en fait vous les lisez comme ça. Donc en gros on va prendre deux cartes, puis on va choisir laquelle on garde, laquelle on donne, laquelle on met de côté, puis on va les jouer pour leur coup, puis on va faire les salles des machines avec les batteries, puis on va soigner des humains, et ensuite là vous voyez un truc violet, eh bien c'est le dernier truc que je vais vous expliquer. Ça s'appelle le fléau. Aïe, aïe, aïe. Le fléau se trouve sur certaines cartes, notamment les cartes de niveau 2 et 3, puisque il y a un peu des âges. Ah, merci. Voilà. Carte de niveau 2, vous pouvez avoir un de fléau ou deux de fléau. D'accord ? Et les cartes de niveau 3, vous pouvez avoir 4 ou 5. Bam ! Voilà. En fait, le fléau, qu'est-ce que c'est ? C'est un malus, hein, clairement. En fait, en général, ça veut dire que c'est des cartes qui vous donnent des trucs assez cool. Mais derrière, bah, vous avez un fléau. Ou alors, c'est des cartes. Ne donne pas spécialement un truc giga cool, mais qui coûte pas très cher. Donc en contrepartie, ça vous donne du fléau. Je remercie Larsina qui a lâché la pluie de sub un petit peu pour tout le monde. Merci beaucoup. En fait, le fléau, ça va faire monter cette petite jauge ici. Et cette jauge, elle est relou. Elle est relou parce que, eh bien, à la fin, comme indiqué sur cette carte, à la fin de la manche, vous allez perdre un humain par fléau que vous avez. Et tous les humains, hein. C'est-à-dire que vous allez vouloir commencer à prendre ceux qui sont peut-être contaminés, mais si vous en avez plus dans les contaminés, vous irez chercher chez les saints. Hein. Donc ça va buter tout le monde. Donc tu as envie de baisser ton fléau. Pour baisser ton fléau, eh bien, tu vas prendre les petits immunes protecteurs, là. Ils sont devant ton bateau. Tu vas les mettre sur la petite planche, là, qui est devant. Ouais. Et tu le sacrifies. Et en fait, le fait de le sacrifier fait baisser ton fléau de 2. Hop, lui pareil. Bah, et hop, tu redescends de 2, etc., etc. Donc ton but, c'est un peu de rester tout le temps à 0. Sinon, tu vas perdre des humains. Et donc, vous l'avez compris, des points de victoire. Bon, le plateau de jeu. Vous avez les immunes protecteurs qui servent à baisser le fléau. Vous avez le fléau. Vous avez les immunes soigneurs. Vous avez les humains contaminés. Vous avez les humains sains. Vous avez la bouffe. Vous avez les salles des machines. Donc vous avez tout. Là, vous allez me dire, mais Max, d'accord, mais tu nous as parlé de cartes. Comment ça fonctionne ? Je t'explique. On va dézoomer un petit peu. Hop. Même pas. Pour t'expliquer, on va carrément mettre le plan large. Ça va être encore plus clair. Tu tutoies ton chat maintenant. Ouais. C'est des frérots. On se connaît. Je vous rends vos cartes. Donc vos cartes, elles sont ici. Et vous avez des cartes d'âge 3 que vous allez mélanger et mettre en dessous de votre deck. Puis vous avez des cartes d'âge 2, vous en avez 8 normalement, que vous allez mélanger. Et mettre. Il y en a 8 de chaque ou les 3 il y en avait moins ? Il y en a 6, puis 8, puis 10. Okay. 3, 2. Vous mélangez celle de l'âge 2 que vous mettez par-dessus celle de l'âge 3, puis vous prenez celle de l'âge 1, vous en avez un peu plus, vous les mélangez et vous les mettez par-dessus celle de l'âge 2, ça vous donne votre deck de cartes. Donc vous avez ce deck de cartes, vous allez prendre les deux premières. Alors ça, c'est juste pour le premier tour. Vous allez prendre les deux premières et vous allez mettre face visible devant vous. Alors, ils ont fait un truc qui est sympa, c'est que sur les vos petits bateaux, vous avez des barques. Vous mettez les cartes en fait devant les barques. Ça vous permet de savoir un petit peu où vous les mettez. J'y viens. Je crois même qu'on va les poser directement chez le voisin. Il me semble les premières.
On va relire rapidement les règles dans le train. Bah, j'ai envie de te faire confiance alors. Je sais pas si moi-même je me fais confiance, mais je vais te dire ça rapidement. Je veux bien que tu vérifies. Explique le système et il me semble. Bon, je vous explique le système. Vous allez ensuite piocher deux cartes. Ok, là on va dire le tour commence. Et vous avez. Piochez les deux premières cartes de votre pioche et placez-les face visible dans la zone de décision de la personne à votre droite. Allez. Puisque toi-même tu sais. Tiens. Merci. Vous avez raison. Donc je viens Étienne du coup. Du coup, voici mes deux cartes. Merci. Hop, hop. Là j'ai deux cartes de Rof. Vous avez deux cartes en main. Alors je vais vous montrer un petit peu ma main comme ça vous allez comprendre. Voilà. Donc là j'ai deux cartes en main et deux cartes visibles. Ok. J'ai aussi ceci dans la main et ça vous allez l'avoir tout le temps. Parce qu'en gros c'est des cartes qui vous permettent de faire votre sélection. Donc, vous avez ça en main. Vous allez commencer par choisir une des cartes face visible et l'attribuer à votre voisin de gauche. D'où la petite flèche ici vers la gauche. D'accord. Ça vous le faites dans votre tête. Pardon. Oui. C'est juste parce que je parle et que ça me m'irrite. Ensuite, la deuxième, vous allez choisir laquelle vous gardez parmi les trois cartes qui vous restent de disponibles. Donc une face visible et deux dans votre main. Pareil, vous faites un peu dans votre tête. Et du coup, les deux que vous ne comptez pas jouer, eh bien vous allez les laisser de côté. Ça va vous donner, je fais au pif, hein. Pardon, un truc un peu comme ça, un truc un peu comme ça, et un truc un peu comme ça. Donc, si je décide de faire ça, je vais pas le faire, on va refaire le premier tour. Je suis désolé, je galère de ouf. Vas-y mec, on est tous avec toi, sachant que dans le J'essaie de faire en sorte que ce soit clair, mais quand je tousse toutes les deux secondes, c'est dur. Dans le jeu, ils sont plutôt en mode, même si ça change rien. D'abord, tu choisis la carte que tu veux parmi les quatre. Puis tu passes donc une paire avec votre carte donnée et deux cartes expédition visible dans votre zone de décision. Et ensuite une paire avec les deux cartes expédition restantes. Il me semble que donc en gros. Ouais, mais. Tu fais tout simultanément. Ouais, c'est juste que... Dans le truc, il te dit oui, mais... peut-être choisis ce que tu veux d'abord. Ben, moi, ah, je trouve qu'ils auraient dû l'écrire autrement. C'est parce qu'en fait, comme de toute façon, celle que tu donnes aux autres, c'est forcément une des deux visibles, ça sert à rien de commencer à réfléchir. Puisque de toute façon, tu vas forcément donner une de ces deux-là. Tu vois ce que je veux dire okay. Limite tes choix. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait votre sélection, eh bien on va tous révéler en même temps. L'idée c'est de poser un peu les cartes face cachée en même temps, de manière à pas vraiment donner d'indices aux autres joueurs. Vous allez retourner vos cartes, et ça va donner des indications en fait sur ce que vous donnez ou pas. Donc celle-là, c'est celle que je vais donner à Rofelos, mon voisin de gauche. Cool. Celle-là, c'est celle que je vais garder. Donc si je la garde, je la mets ici, parce que j'ai le même symbole ici. Celle-là, je vais la mettre devant le plateau de Rofelos, sur le symbole indiqué aussi. Lui, il va mettre celle qu'il a choisie ici. Marie, elle va me donner celle qu'elle a décidé de me donner. Elle va la mettre ici. Vas-y, non, on s'en fout. Hop. Oh, t'aurais pu donner l'autre. Et celle que j'ai pas. Qui m'intéressait pas, eh bien, je vais les laisser. Non, tu vas les je vais les donner. À moi. Comme indiqué sur ce truc. Je vais donner au voisin de droite. Tu les récupéreras. Qui va les mettre, lui, ici. Une fois qu'on a fait ça. Eh bien, on va tous activer nos cartes. Donc là, je vais regarder les cartes que j'ai. Et il va se passer des trucs intéressants. Vous avez, on va dire, deux possibilités. Soit les cartes sont de la même couleur. Dans ce cas-là, vous allez vouloir peut-être payer les deux effets. Donc là, je vais payer un humain. Hop, et zéro. Parce que ça indique zéro aussi. Et je vais non seulement récupérer les ressources qui sont en haut de la carte, mais en plus, parce que les deux cartes sont de la même couleur, je vais récupérer aussi la ressource qui est juste en dessous. Donc là, je me régale en bouffe. D'accord ? Si toutefois, les deux cartes ne sont pas de la même couleur, eh bien, je vais récupérer la ressource qui est en haut, mais pas la ressource qui est juste en dessous. D'accord ? Donc, là, il y a peut-être un choix qui peut être fait, qui est de se dire, bah, peut-être qu'en fait, je vais activer qu'une seule des deux cartes. Et en fait, la particularité, c'est que soit vous activez les deux cartes et vous payez le coût en ressources des deux. Merci connerie en slip. Soit vous n'activez qu'une seule des deux cartes et dans ce cas-là, elle est gratuite. Vous n'avez pas à payer son coût. Donc ça, ça peut être une strat si vous voulez économiser ça, des humains. Ça a l'air dingo, mais quand tu as des cartes qui commencent à coûter 4 mecs, t'es content de l'avoir gratuitement. Autre chose, une fois que vous avez activé vos cartes, vous allez regarder votre salle des machines. Et il se trouve que sur votre salle des machines, notamment là parce qu'on joue sur la version de base,
eh bien, vous avez la plupart des effets qui disent que, ok, si vous avez une carte bleue, une carte non bleue, une carte rouge, une carte non rouge, une carte verte, une carte non verte, une carte jaune, une carte non jaune. Là, par exemple, j'ai une jaune et une non jaune, mais j'ai aussi une verte et une non verte. Ça veut dire que si j'active les deux, bien, techniquement, je peux faire ces deux effets-là. Bon, si toutefois, j'avais alimenté ces deux salles. Si ces deux salles étaient alimentées d'une batterie, eh bien, j'aurais récupéré en plus une bouffe et en plus un immune que je mets où je veux, soit dans les soigneurs, soit dans les protecteurs. Parfois, c'est indiqué quand vous n'avez pas le choix. Ici, par exemple, le symbole indique un immune protecteur. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le mettre chez les protecteurs. Voilà comment se déroule le jeu. On va faire ça pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 manches, je crois. Et puis, voilà. Et à la fin, celui qui a le plus d'humains... Bravo, félicitations. ...est un grand joueur. Victoire. C'est à peu près ça qui va se passer. C'est vrai qu'il y avait 12 manches parce que y a... les saisons comptent aussi. Les saisons, on les joue aussi ? Ouais, probablement. Est-ce qu'on se lance dans cette partie ? Ouais, oui. Donc le ce système-là a l'air un petit peu, comment dire, alambiqué, pas forcément, voilà, pas forcément intuitif, mais justement, il compte beaucoup là-dessus, ça fait partie des twists du jeu. Ça s'appelle le Dual Select System, donc peut-être qu'on le verra dans d'autres jeux. En tout cas, pour le moment, de notre connaissance, il n'est que là-dedans. Et il permet justement d'avoir une sélection des cartes un peu particulière, qui au départ peut paraître un peu bizarre, mais en fait, au bout d'un moment, on commence à s'y faire et à se dire, ok, alors ce que je vais passer à mon voisin, en fait, je vais les récupérer plus tard, et donc du coup, à partir de ça, je peux faire mon choix. Et c'est là d'où vient le nom précognition, c'est que tu as des bribes du futur, c'est-à-dire que tu peux pas précisément savoir ce qu'on va te donner, mais tu peux un petit peu parier sur le fait, bon bah là, vu qu'il pense que je vais faire ci et ça, donc c'est plutôt sympathique. Et c'est un jeu, on l'a pas dit au départ, je crois, mais là, on va jouer en compétition, chacun pour sa gueule. Oui, il ouais. y a aussi un mode par équipe et un mode coop. Exactement. T'as joué au mode équipe ? C'est ouais. ça, j'ai joué au mode par équipe, donc du 2 contre 2. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que du coup, on joue à 2 contre 2, mais à côté. Donc du coup, je suis à côté de la personne qui m'aide. Et donc, soit il y en a un qui t'aide et l'autre qui embête les autres. Donc en fonction de où t'es dans l'équipe, tu ouais, fais pas la même chose. Donc voilà. Et bon, j'ai eu la chance d'y jouer avec Julien Protière, du coup, qui est l'auteur du jeu. Et donc du coup, j'ai fait équipe avec lui. Un petit pion par bonheur non, pas cette fois. Mais on avait perdu, malheureusement. Mais c'était très cool. Est-ce que tu penses que c'est plus de la faute de l'auteur qui a fait genre, des centaines de parties ou de la team ? T'es en train de faire ça juste pour dire que je suis nulle, c'est pas. Ça non, je sais pas. Non, je pense que c'était un peu de ma faute parce qu'au départ, en fait, comme tu disais, le système de cartes, quand au bout de plusieurs tours, on l'a compris. Ouais. Mais en fait, c'est tellement différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir que c'est difficile au départ de savoir dans quel sens. Ah oui, mais non. Donc voilà. Mais là, maintenant, je suis rodée et je suis prête forcément gagner cette partie. À vous éclater. Eh bien, c'est ce eh bien, je crois qu'on va pouvoir y aller. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions ? J'ai vu qu'il y a déjà y a des gens qui demandaient le prix. On va regarder ça tout de suite. Ça doit être 50 balles, un truc comme ça. J'aurais dit un peu moins, mais peut-être que... Aussi. Ouais, mais maintenant, ça a augmenté avec les prix des conteneurs et tout. Tout augmente. Tout augmente, ma bonne dame. Cognition. J'aurais dit... Je vois à 40-45. 45, moi. Play-in. Allons-y, hein. Je sais pas si le code est déjà là. Eh bien, effectivement, Max avait raison. On est plutôt sur un 56,90 à play-in. Est-ce que le code fonctionne ou pas ? Le code dimanche, oui, il va pas tarder à fonctionner. Je crois que je lui ai dit, donc normalement, il doit y être. Et donc, en vrai, avec le code, vous l'avez à quasiment 50. Ouais. Donc, une cinquantaine de balles, si vous prenez sur play-in. Et puis, combien de temps dure une partie ? Bah là, vous allez voir, mais là, normalement, c'est pas très long. Il met une heure. Ouais, je pense qu'on a fini avant le match. Et on va pouvoir y aller. Récupérer vos cartes, du coup, on va refaire une vraie game. Donc, ça, c'est les miennes, ça, c'est les tiennes. Ouais, il y a des dos différents. On a les mêmes cartes, c'est ça ? Ouais, on a les mêmes cartes, mais les dos sont différents, ce qui permet de retrier, évidemment, et de récupérer les bonnes cartes du début. Oui. Ok, je vais juste récupérer mes cartes d'âge 1 que je vais remélanger, et puis on va pouvoir démarrer cette petite game. Donc, bref, je vous fais un TLDR. Pardon ? Toulon Dylan Reed. Je vous fais une version rapide, voilà. C'est. J'ai même pas compris la suite. On a 4 cartes. On en sélectionne une pour nous, une pour le voisin de gauche. Celles qu'on prend pas, on les donne à notre voisin de droite. On paye le coût des cartes qu'on a devant nous. On active leurs effets. On essaye de sauver un maximum d'humains. Tous les 3 tours, on essaye de les nourrir. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus d'humains vivants gagne la partie. Voilà ce qui va se passer. C'est qui me passe ça.
Oui, c'est ouais. pour mettre dans les barques. Et en vrai, les petites cartes là qu'on passe, on peut les utiliser, bien mais sûr. Bon, au bout d'un moment. Allez, donne-moi deux cartes. Oui, pas deux secondes, j'ai même pas. Ok, donc ça, c'est les deux cartes au hasard. Ensuite, vous prenez deux cartes. On pioche deux. Et vous faites votre petite sélection. J'ai enlevé ça, c'est moche en fait. Pardon, voilà. J'avais pas vu que c'était sur le plan. Ouais, c'était dégueulasse. Alors, on va faire ça comme ça, au moins vous avez la mode du jeu. Alors. Petite sélection. Ça, c'est ce qui arrivera chez moi. Hein. Oui. Toi, en fait, ça, c'est. Il y en a une des deux qui arrivera chez toi. Tes cartes, et je vais t'en passer une. Tout à fait. Donc là, si je regarde le plateau de Marie, je sais qu'elle va forcément m'en donner soit une rouge, soit une bleue. Donc, si j'ai envie de faire des multiples activations, enfin de récupérer un maximum de ressources, je vais essayer de plutôt jouer du bleu ou du rouge, en espérant qu'elle me donne celle que je veux, pour que je puisse me gaver comme un gigaport. C'est ça qui va se passer. Je vais... Et toi, Max, j'ai filé quoi ? Du rouge et du bleu. Ouais. Alors, pardon. Vous démarrez, je vous dis, avec 4 quatre humains. Et il n'y en a pas là-haut. Et un immune soigneur. Ouais. Et c'est tout. Et pas de ressources. Et vous démarrez à 8 de bouffe et 0 de fléau. Ok. Mais c'est bien rappelé sur le plateau, en fait. Oui, tout Nickel. Est rappelé. Tout est dit. Nickel. Et ça va être sympa la semaine d'émission là. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Rappelle-moi déjà le point d'interrogation, à quoi il sert. Le point d'interrogation. C'est autant que j'ai payé, c'est ça hein. C'est autant que tu as payé de l'autre carte. De l'autre carte. Je vais expliquer quand ça arrivera. Et quand on a deux points d'interrogation, c'est quoi déjà le bail ? C'est zéro, non ? C'est pas ça. Quand tu as deux points d'interrogation. Quoi ? Ouais, ça me parle. Si jamais j'ai une carte point d'interrogation et l'autre c'est point d'interrogation. C'est bon pour moi. Attends, c'est bon pour mon moi play, aussi. Mon play varie en fonction de ma réponse. Vas-y, est-ce que s'il y a deux points d'interrogation, oui. Tu... j'ai oublié, putain. C'est écrit, mais j'ai oublié. Tiens, vas-y, c'est quoi ? Vas-y, je vais réfléchir. C'est écrit, mais j'ai oublié. Je crois que c'est zéro. Il me semble qu'il y a un avantage, mais je... Je crois que c'est zéro, mais je veux juste être sûr. Sélectionner des cartes, nanana. C'est ici, phase d'action. Activez ces cartes, nanana. Donc, si une carte présente un coût de point d'interrogation, ça signifie que son coût est identique à celui de la seconde carte. Si les deux cartes présentent un coût point d'interrogation, alors les deux cartes ont un coût de zéro. Mm-hmm. Voilà. Ok. Intéressant. Et donc. Et là, en l'occurrence, donc, c'est pas le coût, c'est le. Si, c'est le coût, mais de la deuxième carte. Le coût de la deuxième carte. Donc, en gros, c'est deux. Non, c'est quand c'est les points d'interrogation en bas. Non, mais même en haut, c'est pareil. Non, t'es pas d'accord ? Tu veux te battre ? En fait, je sais pas si c'est... Ouais, en même temps, il y a une flèche ici. Ça veut dire que là, c'est deux... Mais non, ça n'a pas de sens. Ça pourrait pas être ça ici, ce serait pas un point d'interrogation. Bah oui, c'est pour ça. Donc, je pense qu'effectivement, Max a raison, c'est ça ici. Oui, c'est oui, ça. Oui, ok, ouais, c'est ça. Et donc, tu peux juste pousser la carte là... Voilà, je vous le dis. Si vous gagnez un point d'interrogation en ressources, ce nombre est égal au coût de la seconde carte. Mm-hmm. Si le coût de cette seconde carte est aussi un point d'interrogation, alors le nombre de ressources gagnées est égal au coût de la première carte. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça que tu voulais. C'est ça que je voulais. Merci beaucoup, Max. Du coup, j'ai mon play. Du coup, en fait, ça va être... ça. Et... Oh putain, faut que je buve. Ça. Boive. Ça, du coup, et ça on joue tous simultanément. Et on joue tous en même temps, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de temps mort dans le jeu. Ouais. Donc, c'est un peu le bon okay. point. Ah, petite particularité aussi, quand même. Oui. À la fin... Chaque manche, on va retourner oui. les tuiles. Et il va y avoir un petit bonus ou malus. Tout à fait. Et bonus, si on ne veut pas subir ce qui se trouve quand on retourne la tuile, on peut sacrifier des immunes protecteurs. Tout à fait. Voilà. En fait, le protecteur, c'est vraiment des suicidaires. Quoi. On y va. On peut retourner nos cartes et indiquer, du coup, ce qui va se passer. Donc. Je te donne ça. Alors, attends, on va le faire... Pour le premier tour, on va le faire tranquille. Ouais, tranquille, vas-y Max. Regarde ce que j'en capte. Donc, cette carte-là, je la donne à mon voisin de gauche. Ouais. Donc, c'est pour Rof. Cool. Cette carte-là, je la garde pour moi. Je la mets ici. Voilà, je peux enlever ces deux cartes-là. Du coup, ces deux cartes-là, c'est celles que
que je vais donner à mon voisin de droite. Pour le moment, je les mets ici, juste en dessous du symbole, comme ça, on ne mélange pas. Ensuite, si on va voir du coup du côté du plateau de Roth, mm-hmm. on va faire dans ce sens-là. Hop, je vais recadrer un petit peu au fur et à mesure, mais en vrai, on n'est pas trop mal. Voilà. Et bien moi c'est pour ça que j'étais du coup pas mal posé la question, c'est que là du coup je vais avoir un truc un peu particulier puisque j'ai décidé de garer cette carte là okay. Et que du coup le point d'interrogation faisait référence à celui-ci qui vaut 0. Qui en fait va valoir 2 du coup. D'accord, ouais, on est bon, c'est ça, on est bon. C'est ça qu'on a eu voilà, et je passe ça à Marie. Marie a récupéré. Merci. Du blé, tu es très contente j'espère. Pas du tout. Et ça, les deux cartes, et bien ce sera pour tout à l'heure, on les met exactement ici. Exactement. Ensuite, on va du coup passer eh bien, sur le plan de Marie, qui normalement est ici. Tout à fait. Je recadre un peu aussi. Moi, je vais te donner des manes. Je vais me prendre de la batterie. Voilà. Et ces deux-là sont celles que je donnerai à Rof. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on donne à droite les cartes qu'on ne tisse pas, que vous pouvez mettre devant vos et petites donc, barques. Et donc, on récupérera au tour d'après. Voilà, et donc voilà, effectivement, les deux cartes qu'on a données à notre droite, on sait déjà qu'il y en a une des deux qu'on récupérera au tour d'après. Donc, on voit le putain d'avenir. Allons-y, on va faire différentes activations, je commence. Là, on le fait pas simultanément, du coup. Normalement, on peut. Ouais, là, c'est encore une fois pour, okay, okay. Que les gens, pour que les gens puissent bien suivre ce qui se passe. On va le faire, je pense, pendant les deux premiers tours, okay. Et puis après, on joue. Paf, excusez-moi, on est parti. Donc ici... Je peux payer 4 mecs. Ah putain, c'est tous les mecs que j'ai quand même, c'est pas donné. Non mais ça va, vas-y, fais-le. Alors, calme-toi. Bah, il peut, hein. Mais effectivement, je trouve que je vais le faire. Ah ouais. Je trouve que je vais le faire. Je vais donc payer 4 man et je vais faire les deux effets. Donc je vais récupérer 2 mecs. 4 man. Je commence à avoir 6 mecs, mais ils sont tous contaminés, c'est chiant. Et je vais récupérer 2 batteries. Et ça m'intéresse. Je me doutais bien que ça allait se passer. Le truc, c'est que du coup, mes batteries, je vais pouvoir les mettre tout de suite sur des trucs qui vont activer ce que je veux. Ouais, sauf que si je fais ça... Alors attention, c'est un peu technique. Les batteries que vous gagnez grâce à vos cartes, vous allez pouvoir les utiliser tout de suite. Et vous allez du coup pouvoir utiliser vos batteries maintenant. Alors que si vous gagnez... Alors là, en fait, là, c'est pas le cas. Dans, sur ces plateaux-là, on peut pas gagner de batteries. Mais il y a d'autres plateaux dans le jeu que vous pouvez. Regardez, si je retourne celui-là, par exemple. Voilà, typiquement, celui-là, par exemple, il fait gagner des batteries. D'accord. Eh bien, si vous gagnez des batteries grâce à vos salles des machines, eh bien, vous en bénéficierez, mais au tour d'après. Donc, voilà, il faut le savoir. Moi, on n'avait pas joué comme ça. Je suis assez sûr de moi. Après, peut-être que l'auteur connaît mal les règles. Hein, donc, mais non, parce que pour moi, on les mettait de travers et au tour d'après, on les mettait droit. Bah, normalement, c'est ça c'est le cas avec les batteries que tu gagnes avec tes salles des machines, mais avec les cartes, tu peux l'activer tout de suite. On a joué à la version de base, c'est pour ça. Ouais, on a joué à la version de base, peut-être avec les règles de la suite. Activer des cartes. Je suis assez sûr de moi parce que je m'étais fait la réflexion. Alors maintenant, si vous voyez que je me trompe, corrigez-moi. Je vais faire ça, ce qui du coup va me permettre, à défaut d'avoir gagné les bonus qui sont en dessous de mes cartes. Les batteries gagnées grâce à une machine activée. Grâce à une machine. Ils monteront les machines sur lesquelles vous les posez qu'à partir du tour suivant. Alors qu'avec les cartes, c'est tout de suite, il me semble. Et je t'invite à regarder. Ça m'intéresse parce qu'en fait, du coup, là, je vais gagner deux trucs. Je vais gagner un humain, parce que j'ai une carte bleue et une carte différente, et une carte rouge, une carte différente, je vais gagner un immune protecteur. Voilà. Juste, voilà, si tu me donnes tort, j'enlèverai un humain et un immune protecteur, et on sera bon. C'est au tour. Tiens, parce que là actuellement je l'ai pas vu. Moi, ce que je vais faire, donc j'hésite. En gros, ça veut dire que je peux payer 4 pour jouer mes 2 cartes. Celle-ci me rapporterait 2 immunes et celle-ci me rapporterait 2 man. Je peux aussi décider de ne jouer que celle-ci qui du coup me rapporterait flat 2 immunes sans que j'ai à payer mes man. Mais comme je vais récupérer des manes à la fin de ce tour-là, je pense qu'il vaut mieux dépenser mes manes. Donc là, je vais faire les deux. Je vais récupérer deux gars. Donc j'ai payé 4.
Et je récupère 2 gars. Plus 2 immunes qui vont me permettre de soigner les gars en question. Je n'ai pas de batterie particulière, puisqu'en fait, là, cette carte-là n'est pas verte et cette carte-là n'est pas bleue. Bref, j'ai 2 cartes différentes, je n'ai pas de batterie pour l'instant. Donc, c'est bon pour moi. Ce qui me donne l'impression que j'ai raison, c'est qu'en fait, c'est une précision. C'est écrit « Attention, les batteries gagnées grâce à une machine activée », ça me semble ici, « vous n'en bénéficierez qu'au prochain tour ». J'ai l'impression que si tu le précises en disant « Attention, les batteries gagnées dans ce cas précis s'active au prochain tour », ça veut dire que les autres s'activent tout de suite. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que si t'as joué avec l'auteur... Mais après, peut-être que je m'en souviens pas. Ouais, méfie-toi d'elle. Hein, elle est pas après, fiable, le principe de dire, tu te souviens que les batteries, tu les mettais... En fait, il nous avait dit, pour s'en souvenir un peu, on les mettait de travers et après, on les réactivait. C'est pour ça que ça me parle. Système de... C'est juste... mais peut-être qu'on a fait la variante d'après. Appelle-le là. Je lui ai envoyé un message. Ah bon, c'est très bien. C'est pratique, ça. Un c'est une question, on va demander à l'auteur. Je lui ai écrit, s'il me répond. J'ai raté l'explication du levier de vitesse jaune et violet. Eh bien, ça, c'est le fléau, c'est ce qui va te tuer des mecs. Donc, t'as envie de le baisser à zéro. Et ça, c'est la bouffe, c'est ce qui va te faire survivre des mecs dont t'as envie d'en avoir le plus possible. T'as tout payé, toi aussi, vous avez tous les œufs dépensé tous vos man en fait. Bah oui. T'étais en mode, oh, t'as qu'à faire ça pour. Bah ouais, mais moi, je. Parce que elle peut pas, de toute façon. Elle a pas assez de mecs. Non, mais dans tous les cas, de toute façon, j'avais pas prévu de le faire. J'avais prévu de faire que celui-là. En fait, autant pour Max, c'est vrai qu'il s'est un peu donné, autant moi, je récupère 2 immunes. Je suis là pour les utiliser. Oui, bien sûr. Bien. Donc moi, je vais faire celui-là, je gagne 2 batteries. Je peux avoir 2 batteries, s'il te plaît, Max. Merci bien. Je gagne 2 batteries, je paye rien, puisque du coup, je suis à 3 et je ne fais que celle-ci qui est gratuite. Ok. C'est tout ce que je fais. Maintenant, il faut que je place mes batteries. Mais du coup, ça a quand même un intérêt, ça. Hein, je vais en mettre une là, et du coup ça voudrait dire que si c'est valable tout de suite, je récupérerai un mec ici. Ouais, c'est la nourriture en jaune, effectivement. Bon, dans le chat, j'ai des pour moi, Max a raison, mais bon. Non, mais c'est probable, hein. Je ne suis sûr de rien. Mais c'est bizarre que c'est pas noté quelque part précisément, quoi. Mais faisons comme ça et puis on fera Là où j'ai aussi envie de donner raison à Max, c'est que je trouve qu'il est formidable. et aussi parce que si j'en suis la phase d'action, on va d'abord activer nos cartes. Ah oui. Puis nous allons utiliser les machines alimentées. Donc j'ai l'impression que... Je vous propose de faire comme ça et si on a tort, eh bien on le précisera dans les descriptions YouTube ou alors s'il nous répond, on le dira au cours de l'émission. Très bien. Allons-y. Ça me va. Et bah, du coup, ça y est, t'as fini. Alors, par contre, Marie ne fait pas l'effet de sa machine vu qu'elle a activé qu'une carte. Je crois que t'as pas besoin d'activer les cartes. Hein. Si. Et je crois que les machines s'activent même que tu aies utilisé les cartes ou non. Ouais. Que t'aies activé les cartes ou non, je crois que les machines s'activent. Donc, je crois que c'est bon pour elle. Les cartes que vous avez jouées, vous pouvez les mettre de côté. C'est les poubelles ? Ouais. Pas très grave. Et une fois que vous avez fait ça, et bien vous allez prendre 2 nouvelles cartes et puis on va y retourner. On avance Sauf le bateau, que, non ouais, on va devoir avancer le bateau. Donc là, on a toutes les phases de jeu. Vous allez soigner un humain par immune soigneur. Moi, j'en soigne un. Toi, t'en soignes pas parce que tu les as tous. Et toi, tu en soignes. Que vous ayez activé une seule ou les deux. En fait, voilà. On regarde juste qui est dans ta zone d'action. Exactement. Mais c'est bien de le préciser parce qu'effectivement, ça peut aussi ne pas forcément être... Ensuite, vous allez monter votre fléau s'il y en a sur vos cartes. Là, ce n'est pas le cas. Ensuite, vous allez pouvoir sacrifier des immunes protecteurs pour baisser votre fléau. Ensuite, vous allez pouvoir... Pardon, vous allez sacrifier un humain par fléau que vous avez. On n'en a pas. Et ensuite, on fait avancer le bateau. Si on fait avancer le bateau... Qu'est-ce qu'on gagne ? Deux oh. bouffes. On gagne 2 de bouffe. Très content. Quelqu'un veut un petit... Oui. Merci. Et puis j'ai juste un doute sur un truc, j'avoue. C'est est-ce qu'on révèle le truc qu'on vient de passer ou le truc sur lequel on va ? J'ai un petit doute. Bah regardez ça, on y a joué il y a un petit mois, c'est normal de pas forcément se rappeler tout. Et une fois qu'en fait on aura fait les premiers tours, après ça va avancer un petit doute tout sur seul. Ça.
Une fois qu'on est là-dessus, eh bien, on repart sur un tour suivant. Vous prenez deux cartes et c'est reparti. Et on fait ça en boucle. Et vous voyez, le jeu n'est pas si compliqué. Retournez la tuile fleuve située devant le pion avancé. Ouais, c'est ça. Afin de révéler l'événement de fin de tour. Chaque personne applique l'effet de cet événement, posant ensuite le pion avancé sur la tuile révélée. En fait, on aurait dû. En fait, on aurait dû démarrer. On démarre devant. On démarre pas sur la tuile. C'est ah bon ça. Oui. Et du coup, on aime de bouffe et on avance dessus. Et tac, tac, tac. D'accord. Et là, ça va le faire. On peut y aller. Ça vient de me revenir. Bon. Tu vas me donner quoi, Rof? Tu vas me donner la bleue ou la rouge? Tu vas me donner quoi, Marie? Moi, je vais te donner la rouge. Ok. Je sais que t'aimes bien les batteries. Ok. J'ai pas de chance dans mes tirages de cœur. Attends, j'ai quoi? J'ai du 1 et c'est soit immune, soit bonhomme que tu vas me passer. Alors, petite précision pendant qu'ils sont en train de réfléchir. Ici. Que vous voyez là, c'est la répartition des cartes. Donc à l'âge 1, il y a un peu de tout. À l'âge 2, il y a moins de batterie. Et à l'âge 3, il n'y a plus de batterie. Il y a constamment deux bleus, deux verts. Ici, il y en a un petit peu plus. Il y a de moins en moins de bouffe, de moins en moins de batterie. Et il y a de plus en plus de fléaux. Ah, le fléau en dernier, là, 4-5 fléaux, c'est. Oh. C'est hard. Et on prend les fléaux, quoi qu'il arrive, sur toutes les cartes ou que sur une carte qu'on a activée? Je crois que c'est que sur une carte activée? Non. Sur les deux. Les deux qui sont. Même si on n'a pas activé, on prend un fléau? Je crois que le but, c'est que les autres te fassent chier en t'envoyant du fléau. C'est dur, ça. Oui, mais je crois qu'il faut le. Justement, le. C'est vrai que moi, à chaque fois, je paye toutes mes cartes. C'est vrai qu'il se pose pas la question. Je me pose pas la question, je paye. Paye les cartes et on avance, quoi. Ok. Pour chaque carte présente dans votre zone d'action, que vous l'ayez activée ou voilà. Non... Dur. Tu vois, méfie-toi à jouer avec l'auteur, mais pas sûr. Je pose des questions. Voilà. Bah, je vais garder celle-ci. C'est bon, je vais donner va celle-ci. Vas-y. Ouais, on fait tous en même temps, là. C'est bon, vas-y. Tiens. Tiens, Rof. Il a dit, je savais que t'allais me donner ça, j'ai vu l'avenir, Maxildan. Ouais, mais en fait, j'ai plus le courage. Je lutte trop. Et là. J'ai piffé en disant que j'allais te filer la rouge et je te file bien la rouge, Marie. Ah ouais, merci. Ah, tu sais que tu veux du blé après, c'est bien joué. Hein. C'est vrai que donner deux fois la même couleur te permet. C'est vachement bien, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir ça. Donc. Gnou, j'ai pas de chance. Exactement, ça intéresse personne. C'est à mon tour. Et je ne peux en payer qu'une. Je suis donc extrêmement déçu. Je vais payer les deux. Et moi, je peux payer. Content. Comme je ne peux en payer qu'une, eh bien. C'est très agréable ça. Ouais, c'est pas. Je peux avoir la batterie, s'il te plaît. Je vais payer la verte, hein, évidemment. Merci. Ah bah non. Si j'en prends qu'une, du coup, je ne paye pas. Donc du coup, je fais la verte. Je récupère un immune que je mets en soigneur. Et parce que je n'ai. J'ai une rouge et une différente, je récupère un autre immune. Ça, on les met où on veut. Hein. Si j'ai envie de le mettre en protecteur, je peux le mettre en protecteur aussi. Ouais, tu fais bien ce que tu veux. En fait, si c'est pas précisé, tu mets où tu veux. Toi, t'as mis deux protecteurs? Je l'ai pas choisi. C'est ça. D'accord, je t'en mode. Bah, évidemment, c'est de la merde. Et moi, du coup, j'active ça. Alors, du coup, j'ai ça et j'active ça. T'as joué, Rof? Du coup, j'ai ça. J'ai joué ça. Alors, j'ai gagné 4, j'ai gagné 2 immunes et là, je réfléchis où je fous mes batteries. Vas-y, je te laisse faire ta vie. On peut jeter les cartes qu'on a déjà activées. Qu'est-ce que je t'ai passé, moi? Moi, j'ai gagné un truc comme ça. J'ai fait ça. Allez, je vous attends pour faire la suite. Ça, j'ai fait ça. C'est quoi, c'est jaune et bleu? Normalement, je me suis pas trompé dans le chat. J'aurai des manes en plus, je commence à avoir beaucoup de manes. Après, les rouges, ça peut quand même mettre des mecs protecteurs. Vas-y, je vais faire ça. Ok. Je vais continuer en vous proposant de soigner des mecs. Ensuite, on fait monter le fléau, il n'y en a pas, blablabla, le fléau, il n'y en a pas. Et on fait avancer le bateau. Vous allez obtenir plus une batterie. Ça ok. Attends, putain, en fait, c'est pas comme ça que je veux faire. C'est comme ça.
Merci. Vous obtenez plus une batterie que je vais mettre ici. Et let's go, on prend deux cartes et c'est reparti. Ce jeu est vraiment le plus simple de la Terre. J'ai bon, toi, tu vas me donner du jaune quoi qu'il arrive. Donc, je c'est crois pas que... le plus simple de la Terre, mais en tout cas, il est assez fluide une fois que tu as compris le jeu. Juste, ouais, tu peux pas, ne pas les mettre sur les... En fait, juste, ne cache pas les numéros, s'il te plaît. En fait, tout à l'heure, en fait, quand tu mets ta carte, je ne vois plus le chiffre. Voilà, parfait. Un boss. Tu me passes ça. Ce serait bien que j'en avais plus de man sur mon bateau. C'est un peu les points de victoire, Marie. La musique est pas trop forte. Donc, en fait, on va faire ça. Ah, je suis content, vous êtes... J'avais peur du fait que changer l'heure, plus le match et tout machin, j'avais peur que vous soyez 3. Sur la... Oui, ils sont toujours là. En fait, vous êtes toujours au taquet. C'est... Et toi, Marie, tu veux des mecs ? La musique, c'est StarCraft. Je te passe en bleu, ça te va ? Ouais, merci. En vrai, n'importe les deux, ça me va, t'inquiète. Là, tu veux... Il a attrapé froid, notre Maximilien. Ouais, bah ouais, il a attrapé un petit coup de froid. Ça va, hein, j'ai pas mal au crâne ou quoi, je suis bien. Juste, bah, quand ton métier c'est de parler, c'est un peu chiant quoi. Ok. C'est bon pour moi. Merci à toi, hey Zerit. Oh, c'est mignon. Merci pour le salut, je suis gentil. On vient c'est supporter chou. Marie. Oh, démo, t'as tellement tort. Allons-y. Merci. C'est vrai qu'on la supporte. Hein. Ah bah ça. Non, c'est horrible. Mais on t'aime, c'est pour ça qu'on t'aime. Ouais, attends, ouais. attends, qu'est-ce qui se passe ? Oui, d'accord, ça c'est ce qu'il y a devant moi. Ça c'est ce qui va devant elle et elle, elle me donne une carte. Oui, voilà, ça c'est ce qui va devant elle ? Ah oui. Ça c'est ce qui va devant toi. Tiens, c'est ce qui va devant toi. J'ai l'impression que je suis en train de vous rouler dessus. Ah mais c'est qu'une impression, mon coco. Oula ! Je pense que tu nous roules dessus aussi, probablement parce que tu as juste eu les bonnes cartes. C'est vrai qu'il nous roule dessus, mais on va dire merci. Que non. Merci, merci de ça. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, moi j'active. Ça, ça me coûte combien du coup ? Ça, on est d'accord ? Ça me coûte 0 et 0. Putain, ça fait quoi ? 0 et 0. Attends. Tu vas avoir plein de gars. Ouais, ça me coûte 1 ouais. Et je me régale, regardez. Je vais récupérer. Bon, chez toi, c'est les champs, quoi. Hein. C'est vraiment la. Je récupère 8 de bouffe. Cultivation quoi. Bonjour. 1, 2, 3, 4. 8 de bouffe et par contre du coup bah, j'ai pas les, j'ai pas les effets des machines. 3. Mais bon, 8 de bouffe ça m'a coûté un mec, franchement. On est plutôt là quoi. J'étais à 10, 11, 12. Après est-ce que c'est vraiment un des 3. Je vais regarder un peu ce que fait Marie. Ok, elle a récupéré. Tiens, moi j'ai récupéré 4 mecs et j'ai récupéré 2 petites bouffes. Et ça m'a coûté 0. Puisque ça c'est une maison pareil que ça, 0. C'est pas mal, c'est pas mal. Plutôt rentable. Est-ce que ça vaut le coup de payer 3 mecs pour avoir un gars ? Je récupère tellement de mecs. Je crois que je peux me le permettre. Voilà, soit je récupère ça gratuitement. Mm-hmm. Soit je paye 3 du coup. Tu ne peux pas, t'en as que 2. Non, je viens de... C'est les 3 que... J'étais comme ça. Ah d'accord. Parce que j'aurais soigné 5. D'accord, d'accord, d'accord. Donc j'hésite en fait. Si jamais en gros j'en paye 3, ça me permet d'en avoir 1 en plus. J'ai l'impression que c'est pas worth en même temps, j'ai quand même envie de le faire. Alors, sachant qu'en plus je vais activer mes 2 batteries qui sont là, je vais avoir un mec en plus, quoi qu'il. Mm-hmm. Quel intérêt d'avoir plein de mecs là ? Alors, effectivement, il y a peut-être une corrélation entre le fait qu'il gagne et le fait qu'il passe 1000 ans à jouer, mais ça, vous inquiétez pas, on a l'habitude. C'est quoi ? Je vais ne pas payer, je vais pas payer 3. Donc, ça veut dire que je vais juste faire ça, récupérer 2 immunes. Et tu mets les 2 là. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'en ai la foutre. Protecteur. J'en ai 7. Et du coup, si j'en ai 7 et que j'en récupère 1, alors c'est vraiment pas worth de faire. Et je crois qu'il a triché à un moment donné. Pourquoi son plateau il est aussi rempli en 2 secondes, en 2 tours ? J'ai eu plein de verres. Je vais payer les 3 pour avoir un man en plus parce que sinon mes verres vont pas me servir à grand chose. Donc je vais récupérer ce truc là. En fait, puisque j'ai payé ça. C'est vous qui avez un truc qui est assez improbable.
Il y a plus de bleu, il y a plus de vert, il y a plus de jaune, il y a plus de rouge. Il y a un moment, t'es en mode bon frère, t'as... Alors, ouais, grave. Premier tour. Est-ce que non, vous vérifiez ces tours ou pas? C'est juste que t'as sûrement... Je veux juste être sûr. Tu t'es démerdé pour rien payer. Qui du coup paye 4, me prête 4, mais me permet d'avoir 2 immunes. Ouais. Et 2 mecs. Mm-hmm. D'accord. Ouais. Ensuite, au tour d'après, j'ai eu ça, qui m'a permis d'avoir 4 mecs. Et comme c'était égal, j'ai eu 2 immunes de plus et une batterie. Ouais, bravo, t'as cassé le... Et là, du coup, j'arrive ici et je me dis, bah, en fait, t'as eu full vert. Donc, et donc, ma question, c'est comment t'as obtenu de la bouffe? Parce que dans tout ce que tu viens de faire, on l'a tous gagné. Y a rien qui te donne là, de la bouffe. Plus deux. Ok, bon, ça, alors. Ok, et donc ensuite, ici, donc j'en suis là. Finalement, j'ai payé ma carte pour avoir un mec en plus. Et comme je possède ces deux trucs-là, eh bien, je vais avoir un mec en plus. Bravo, mec. Et un protecteur qui va aller à droite. Wow. Vous soignez vos manes, vous gagnez du fléau, mais il n'y en a pas. On avance le bateau et le bateau va vous donner plus un mec bleu que vous. Alors, plus un mec bleu, je pense que vous le mettez dans vos. Ouais, dans vos contaminés. Allez, tire, t'en as pas assez, toi. Ouais. Ah, mais je vais pas soigner mes copains. Et deux nouvelles cartes, on est parti. Toujours à l'âge 1. Sachant que c'est eux qu'il va falloir nourrir, on nourrit que les saints, hein, c'est ça. Hein. On ne nourrit que les saints. Ouais, c'est bizarre, mais... Ouais. C'est bizarre, mais... Ah, mais du coup, c'est ça, il y a un truc où il ne faut pas trop trop les... Oh là là, mais j'ai pas de chance. J'aimerais bien faire des combos avec du jaune, j'ai deux jaunes qui arrivent. C'est con, hein. Ah, oh, c'est con, oui. J'en aurais... Je pioche. Ah oui, j'en aurais qu'un. Max va me filer du jaune. Oui, j'avais bien lu la. T'avais lu l'avenir. J'avais bien lu l'avenir. Je me pose la question, comment je perds cette partie? Ah, mais en plus, il fait le malin. Non, mais c'est insupportable. Insupportable, le gars. Je vais partir évidemment sur ça. On part. Marie, qu'est-ce qu'elle veut? N'importe. Parce que de toute façon, tu me donnes du jaune, j'ai pas de depuis jaune. Depuis tout à l'heure, je sais pas si t'as remarqué, je te file t'as exactement ce que tu veux. Exactement, mais là, du coup, je m'en fiche. Ou donne-moi la gratos à la rigueur. Fais voir la différence entre ça et ça. Toi, tu manques de man, c'est ça? Ouf. Donc, je pense que ça part. Ou alors, je pars comme ça, en fait. Je fais le même play que tout à l'heure. Ah non, parce que j'ai pas le choix. Je dois te donner une carte qui était là. Oui. Ok. Ça va faire... Ça, ça, ça. On est bon? Oui. T'es très bien, mais t'as pas overkill quand même, effectivement, les soigneurs. Parce que la dernière fois, on s'était dit, ouais, quand t'as 6-7 soigneurs, après, t'es bon pour tout le reste de la game. Et en fait, tu les as déjà, on est au tour 3. Je suis en mode, tu vas en avoir d'autres et tu vas plus arc en foutre. Ouais, mais t'auras. En fait, le truc, c'est que les immunes ne donnent pas de points. Hein. J'ai l'impression que t'en as pris trop. Mais on s'en fout, regarde tous les mecs qu'il a. Je suis ultra confiant pour cette game. Ok. J'espère que Rob va perdre. Bah, j'espère aussi parce que ça prouvera que ça sert à rien de passer 1000 ans à jouer. Allez. Pariez pas vos thunes. Hein. Du coup, moi je vous propose que je donne ça à Rob, que je garde celle-ci. Et oh là que là je donne ça à Marie. Tiens. Attends, ça c'est du coup ce que je file à Max. Ça c'est ce que je récupère ici. Toi tu veux du vert toi? Bah ouais, je veux faire des trucs. Bien, et eh ben c'est parti, je gagne 6 de bouffe. Alors pareil. Moi je paye 3. J'envoie. Je peux avoir 2 batteries s'il te plaît. 2 batteries. Ah parfait, merci. Vous m'avez régalé là. Et une bouffe. Attends, je vais d'abord payer un bleu. C'est vraiment merveilleux. Pour gagner 3 bleus. Par contre, les verts, vous me chiez à la gueule quoi. C'est genre. C'est, j'en ai pas eu un seul. C'est un truc de ouf. Ça va arriver. Oui. Un, deux, une bouffe, ça non. Ensuite, bim bam boum, un verre protecteur. Toi, tu viens là. Surtout que moi, j'ai passé ma vie à ne pas t'en donner. Attends, il paraît que je triche. Ah. Pour un protecteur, il faut un rouge. Qu'est-ce que. Pas du tout. Non, c'était au tour d'avant. C'était au tour d'avant. Attends, le mec que t'as récupéré là, tu l'as mis en soigneur? Non, j'ai pas fait ça. Voilà. Effectivement, là où il y a eu. Pas triche parce que je ne savais pas, mais c'est qu'en fait j'avais deux cartes différentes qui étaient vertes. Ok, en fait c'était vert et bleu, et du coup j'ai vu ça.
En fait, je n'avais pas effectivement ce truc-là. Je n'avais pas non plus ce truc-là. Donc en fait, celui-là n'existe pas. Excusez-moi. J'étais, en fait, dans ma tête, j'avais vert et bleu. Et j'étais en mode, ah bah vert et bleu, du coup, je fais ça. Donc effectivement, je n'ai pas de protecteur, autant pour moi. C'est tout ce que je crois. Et c'est même encore mieux, parce que du coup, si t'avais vert et bleu, t'as ça ? Non, parce que ça, je viens de le mettre. Tu l'as obtenu comment ? À l'instant, avec une batterie. Ok. Bien joué. Alors ça me convient. Je voudrais gagner, mais sans tricher, ce sera vraiment trop bien. J'ai donc eu 16, j'ai mis un man, j'ai payé mes 3, j'ai mis ma batterie. Normalement, c'est bon. Moi aussi, c'est bon. Quelqu'un a dit, il ne triche pas, il prépare un rollback. Exactement. Oui. Nuance. Ah, ça c'est, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Fin de mon tour. Ok, on est bon. Une fois qu'on a, alors attends. Non, j'ai un activé. On soigne des mecs. On jette nos cartes. Il y a pas de fléau. On fait avancer le bateau. Et là, c'est le moment. Zoom. Où on va devoir perdre un de bouffe par mec en bonne santé. J'ai 5 mecs en bonne santé, je perds. C'est maintenant, maintenant ? C'est maintenant. Oui. Donc je perds 1, 2, 3, 4. Mais d'abord, 5. T'as fait view ou pas ? J'ai pas fait view. Ah bah, faut faire view pas avant. Eh, d'abord, tu les soignes. 2, 4. Moi, j'en ai 7. 6, 1, 2, 3, 4. Tu peux me passer des fois 5, s'il te plaît, parce que là. 5, 6, 7. Donne-moi 2 et 2. Enfin, c'est pareil. Je perds mon. Recto verso, gros. Je perds mon 10. Tu perds ton 10 ça. Aussi, non ? En ayant nourri tes gens. Est, j'en avais deux. T'avais deux 10 ? Ouais. Waouh ! Bon, je mets là. J'avais 20 de bouffe, je suis à 15. Tout va bien. Voilà. Donc voilà, on a payé de la bouffe pour nourrir les mecs. Donc j'avais 20, je suis passé à 15. J'ai appris un peu d'avance sur la bouffe. Voilà. Lui, donc, du coup. Moi, j'en suis là. Il a 13. J'ai 13 à dépenser. J'ai 13, 3. Ça tombe bien, il me reste 3. Ah, donc. C'est à être là qui va être peut-être un peu votre difficulté par rapport à la mienne, c'est que moi j'ai plus trop besoin de bouffe pour le moment, alors que vous si. On avance, nouveau tour, deux cartes et c'est reparti. Et là on commence à jouer les cartes de niveau 2. C'est vrai. C'est vrai. Attends, mes deux cartes niveau 2 m'ont pas l'air dingus. Qu'est-ce que tu vas me filer, toi ? Du rouge ou du jaune ? Voilà. Moi, c'est bon pour moi. Tu vas forcément avoir du vert. Et en vrai, c'est les mêmes. Quasiment les mêmes cartes. Il y en a une qui me paraît un peu mieux que l'autre. Donc on va juste là, voilà. C'est celle que tu vas pas me donner, du coup, j'imagine. Ah, là, quand même, je vais. Hein, pas non plus trop déconner. Ok, d'accord. Je note. Sympa. En vrai, bon. Si je prends ça et ça, c'est quand même. Aussi, c'est bon. Pas mal ce que je fais. Ouais, je vais jouer. Ça, ça, voilà. La petite presse. Ouais, si, c'est bon. Hein, c'est vrai que c'est pas. Pas de t'emmerder, mais moi aussi, c'est bon. C'est pas ça que je vais prendre. Si tu peux pas payer la nourriture, il meurt ou redevient contaminé. Il meurt. Il meurt. Il meurt. C'est... Le seul moment où il redevient contaminé, c'est quand tu payes le coût des cartes. Parce qu'en gros, les cartes, c'est... Ils vont explorer une zone, et quand ils reviennent dans le bateau, du coup, ils sont contaminés, parce que dehors, on a pollué la terre. C'est bon. C'est bon. Alors, je révèle... Donc hop, ça, je vais rester en large, comme ça vous voyez les mouvements de cartes. Moi aussi. Ça, ici. Ça vient là. Ça, c'est pour celle-ci va chez Rof. Celle-ci va chez moi. Ces deux-là vont chez moi. Ça va chez toi. Merci. Ah, mais toi, tu veux encore faire de la bouffe ? Je n'ai pas le choix, en fait. J'ai que de la merde depuis tout à l'heure. Cette partie est un calvaire. J'ai tout. Moi, je paye 5. 1, 2, 3, 4. 5. Je récupère 4 verres. 1, 2, 3, 4. J'étais à peu près sûr que tu ferais ça. C'est chiant. Oh, c'est bon. Et du coup, ce n'est pas le truc égal, mais je m'en fous. Ensuite, donc, je gagne. C'est que 1, j'ai. 2, 3, 4. Du coup, là, c'est bon, 1, j'ai le rouge. 2, 3, 4. Et voilà.
Ouais, ça sent la loose pour moi, effectivement. Après, c'est un jeu où tu peux quand même rattraper un petit peu. Oui. Non, c'est la merde. Si, regarde, moi je suis à 7, maintenant il est à 7, j'ai pas énormément. Il a beaucoup plus de man pour le moment. Ah ouais, c'est les points de victoire. Oui, mais on était 3, hein. Faut qu'il les nourrisse, faut que ouais, machin, enfin. Moi je vais prendre 2 de bouffe. Ouais, c'était pas mal parti non plus. Et un immune. Ah mais non, si. Ah bah. D'accord que si je paye pas les 2, j'ai pas le bonus. Bah non. Et t'as pas celui-là non plus. Non, bah ça va aussi. Et puis je me suicide et je sors du jeu. Je fais cette carte-là. Ah oh oui, si tu fais cette carte-là. Bah oui, oui, d'accord. Non, je veux dire, t'as pas le. Ah, mais si, si celle-ci, tu le fais, oui. Bonus, hein. D'accord. C'est ta vie. Ah, je sais pas. Ça m'intéresse parce que. Bah, si t'as le bonus pour les machines, à mon avis, t'as le bonus. Oui, je pense que. Ouais. Oui, je pense que oui. Je pensais que c'était celle-là que tu jouais. Du coup, je t'ai dit, bah non, t'as rien de celle-là. Mais si c'est celle-là que tu joues, pour moi, t'as ça plus ça, oui. Ouais, ouais. Reste parce qu'en fait, sinon. Concrètement, ce jeu, si vous n'avez pas d'immune soigneur, oui. Vous pouvez rentrer chez vous. Hein, c'est fini. Donc, c'est le nerf de la guerre pendant les 10 premiers tours. Si les deux cartes de votre zone d'action sont du même titre, gagnez en bonus les ressources indiquées dans le deuxième tour. Ouais, ok, ouais, voilà. Merci, par pitié. Donc, ça me coûte 0, je prends ça, j'ai pris debout. Bouffe, hein, c'est nul. Ça me coûte 0 parce que j'en fais qu'une. Je ne peux pas faire les deux, tu m'as donné un truc à coût de 6. Pardon. Tu m'as baisé en fait. C'est toi qui t'es baisé tout seul, moi je t'ai donné celle-là. Eh hein. Bah j'espérais que tu me donnes autre chose. Je me suis dit, j'ai dit que je voulais des immunes, donc elle va pas m'en donner, elle va me donner l'autre. Des immunes, elle m'a baisé. Allons-y. Psychologie inversée. Ah, je me suis giga auto-baisé, c'est incroyable. Bah moi j'ai fini, vous aussi ? Oui, donc on soigne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah ils viennent tous. Allez les copains, on fait la fête. Oui. Bah c'est ça du tout assez de man, j'ai perdu. Ouais, à partir de 5-6 immunes, normalement. Tu... Ah, par contre, attends, moi j'avais un de fléau. Hein. Ah bah. Vous avez pas de fléau, vous, dans non. Vos cartes ? Non, mec, y'a rien. Ah, mais y'a rien qui va, y'a rien qui va. N'a pas le droit au bonheur. Est-ce que tu casses ou pas ? Parce que sinon, tu dois perdre un bonhomme. Je vais perdre un mec là, j'ai pas de soigneur. Faut être une salope jusqu'au bout. Bah, du coup, faut le faire avant de repiocher. Je m'en fous, ça change rien. Oui, d'accord, oui. Tu peux pas être un peu plus souple avec cet homme qui souffre. Hop. Vous perdez tous de bouffe. Ça c'est un peu chiant. Allez, vous faire foutre. Hein. En vrai. Prochain tour, bon. Donc ça c'est bon. Et je pioche. Alors. Oh mais nique ta mère. Gros, c'est encore que de la bouffe, j'ai encore pas de verre, j'ai rien. Double verre, j'ai pas le droit au bonheur, gros. Oh, c'est incroyable, hein. C'est je veux que des verres, c'est tout ce que j'ai pas. Elle va me donner du jeu. Ouais, bah je crois que. Quitte à jouer, autant jouer ça. Non quitte à jouer, autant jouer ça. Ouais, je vais faire ça, hein. Je vais faire ça. Voilà, après, on a un peu tout le temps. Quoi. Je vais faire ça. Tu vas me passer un truc comme ça ou un truc comme ça ? À quel je vais te passer, attendez. C'est quoi qu'il y ait du vert, il y en a un qui a un point d'interrogation et qui a 3. Enfin, ça dépend de ce que j'ai. Ça changera pas grand chose. C'est bon pour moi. J'ai play. J'ai joué, c'est good. Moi aussi. C'est bien, tu veux une médaille. Je vais mettre ça. Pour le moment, on est sur un 100% du temps où Rof joue en dernier. C'est pas mal. Hop. Je vais récupérer ceci. Je vais donner ça à Marie devant elle et ça à Rof. Merci, je te donne alors, ça. Alors, j'ai gagné ça et ça. Puis, je vais... Révéler ça et ça, passer ça à Max et passer ça à Mary Granger. Je te passe ça. Ah, oh, tu m'as donné la jaune. Merde, je pensais que tu m'as donné la bleue. On récupère 5 de bouffe. On paye pour ça 5 mecs. Moi, je paye 3. Je prends un fléau. Excusez-moi. Je récupère 5 mecs aussi. Ah, c'est incroyable. On va prendre j'ai 2 man. On va arrêter de se faire chier. J'ai 1, 2. 2 man. Ça. Un fléau, je l'ai fait. Je vais en prendre 2 d'ailleurs. Pardon, oh, pardon. Excusez-moi. Il y a eu choc. Du coup, là, je récupère un mec. Choc.
Et c'est tout, putain, c'est chiant. Je récupère un blé. Pas ouf. Et du coup, comme j'ai joué du vert, je récupère. Merci pour le sub, Zéodrake. D'ailleurs, pensez à utiliser votre Prime. Sachez que vous avez un sub offert si vous êtes abonné à Amazon Prime. Je veux bien que vous le lâchiez chez moi. Allez. Hop. On dégage nos cartes. J'ai pas de fléau. Qui a des fléaux ? Moi. Allez, montez vos fléaux. Ouais. Moi, je jette ça pour pas le... pour descendre de deux. Bray. Moi, d'ailleurs, je vais faire pareil. Je sacrifie un mec. Ok, bah... Non, d'ailleurs, pas du tout. Attends, on avance. Attends, là, fléau, machin, vous avez perdu des mecs, nanana, vous avez suicidé du coup personne, moi oui, hop, on est bon. Ok, vous perdez, un mec sain. Et on peut retirer et un truc comme ça pour péter faire un protecteur pour pas perdre un mec sain. En vrai, je crois que de toute façon, niveau bouffe, ça va être compliqué. Attends, moi j'ai pas soigné mes man. Vas-y, je vais bien perdre un mec sain. Allez. Désolé Robert, tu étais trop ici. Allez, ouais, je vais moi je vais perdre un mec. Ok. Allez, deux cartes. Et c'est reparti. Et c'est reparti, c'est reparti. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle peut me donner ? Du vert ou du bleu ? Pas dingue ça. C'est pas la dingue ça. Qui est cette fin de manche, je pense. J'ai peut-être joué le méchant dans un bon shonen. Pardon ? Qui pense qu'il a gagné, et en fait, c'est pas si simple. Non, mais ce serait très drôle que tu te sois pété en disant « Oh, moi, je vais gagner quoi qu'il arrive, ça y est, la game grave. Est play et tout, je suis plus fort. » Pour toi, ce serait drôle, hein. C'est ça ? Oui. Bah, ce en fait, oui. Ce serait une double bonne nouvelle. La oui. première, ce oui. serait « Le mec qui gagne n'est pas celui qui passe le plus de temps à jouer. » Deuxièmement... Le mec qui commence bien n'est pas forcément le mec qui termine bien. Et du coup, ça veut dire que le jeu est bien équilibré. Franchement, ce serait la meilleure nouvelle. Oui, j'espère que tu vas perdre. Oui. Ou au moins qu'on soit pas très loin derrière aussi. Si vous êtes raccord, c'est bien déjà. Tu reproches à Max quelque chose où tu fais pas la même chose. Tu viens de jouer, donc on s'en fout. Désagréable, hein, ce garçon. Hein. Ça, si vous comptiez lâcher votre prime sur la chaîne de Rofellos, faites-le chez moi, c'est mieux. Et ça, c'est bon. Il sait pas jouer à Snap, de toute façon. Oh là là, oh là là. Putain, ça m'énerve, j'ai pas Lockjaw. Ah oui, ça... Je vais faire ce deck et je peux pas. Bon, on y va. C'est très sympa. C'est parti. T'aimes bien les Dogos en plus. Je me prends ça. Tiens mon Rof. Tiens Marie. Je te donne ça. Tiens pour moi. Oh, tu te gaves. Putain, j'ai lu en toi comme dans un livre ouvert, Marie. Bah, bien joué. Je savais, je me suis dit, évidemment, elle va pas me donner... Il y en a un qui me donne de la bouffe, du bleu, trop bien. Elle va évidemment me donner l'autre. Et voilà, c'est... Et tu m'aurais donné celui que toi, t'estimais meilleur. Tu m'aurais baisé de ouf. Et ça, c'est ça qu'on veut. C'est que j'ai vu l'avenir. J'ai vu l'avenir, putain. Pourquoi t'as déjà les cartes là, toi hein, parce que je viens de te donner celle-là pour moi. Parce que ce sont les cartes que je suis à max. Ok. En fait, je t'ai trop aidé là-dessus. Allons-y. Hop. J'ai été un peu qu'est-ce qu'il fait le monsieur ? Il récupère plein de mecs, putain. Alors d'abord, il va payer. Ah, mais j'ai oublié de soigner les gars autour d'avant, moi. Ah bah, c'est pas sûr. Bah oui, parce que du coup, j'en ai que 5 et j'en ai 7. Je vais... En plein de merde. Je peux changer ma carte, là ? Non. Non. Bon, alors là, mon coco... Je récupère 3 mecs. Va te rhabiller. Je récupère 2 immunes que je mets en soigneur. Putain, enfin, ça me détend. Et un peu de bouffe. On n'en a jamais trop. On a chier mon tour. 1, 2, 3, 4. Moi, c'est plutôt pas mal. 4. Ensuite, j'en prends. Moi, je suis bien là. 4. Ensuite, j'en prends 3. En fait, c'est bien de voir l'avenir. J'ai perdu. J'ai mon fléau à 0. J'ai oublié de le mettre à 0. Est-ce qu'on est d'accord, tous les 3, qu'il faut... c'est bien de voir l'avenir. Mais en même temps, quand tu pioches des cartes qui, justement, sont raccord avec l'avenir, c'est bien mieux. Tu vois ce que je veux dire quand tu... Oui, sauf que. En fait, des fois, la machine t'intéresse plus que le duo. Certes, mais. En fait, ça dépend. Ça dépend tellement de la carte. Ça dépend, ça dépasse.
Ok. C'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous ? J'ai deux trucs. J'ai pris les trois, j'ai mis un là, deux là. J'ai pris les quatre de bouffe. Pas mal. Je t'ai passé ça, j'aurais jamais dû. J'ai pas de fléau. Qui a du fléau dans ces cartes ? Moi, j'en ai deux, mais du coup, je vais faire voup. Pas pour moi. Ouais, ok, toi, t'en as pas. Moi, j'en ai pas. Donc, on va commencer par soigner ses manes, s'il vous plaît. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je soigne tout. Je vais faire 1, 2, 3, 4. C'est quoi ? On va gagner du temps. Max, t'as refusé de dépenser un immune pour baisser le fléau. Max, non, ton fléau est à 1. Ok. C'est bizarre ce que j'en ai là. Ah oui, je l'ai payé pour ça. Vous avez raison. Bien joué dans le chat. Bien joué. Vous avez raison. C'est pas grave, j'ai trop de mecs. Ah, ça me va. Ok, on va sur quelle île là ? Enfin, quel truc ? On va là-dessus. Donc, vous avez les fléaux, c'est bon, c'est géré ? Ouais. Bateau. Perdez 3 mecs. Ou alors. Alors, 3 mecs contaminés. Ou alors, vous perdez un mec. Je perds un. Ah non, mais si j'en ai pas, il se passe quoi ? Bah, tu perds rien. Bah, je perds rien. Ah bon ? Ouais. Bah cool. Maxime Dan l'assassin. Bon bah nous on la pioche hein. Je perds 3 mecs. Deux cartes. Attends. Non. Je perds un mal. On est dessus. Hop, deux cartes. Ce sera quoi mon prochain tour ? Bleu ou vert ? Oh putain, yes. Bon. Et on peut jouer. Toi, tu vas me donner quoi ? Du rouge ou du bleu ? Je vais jouer vite, je crois. Putain, les deux me vont. Sacrément rien à foutre. Sacrément rien à foutre. J'ai fini en premier. Ah là là. Quel gamin. Ouais, je vais... Juste pour qu'ils disent, j'ai pas joué 100% en dernier. Voilà, ça c'est fait. Attends, c'est pas fini. Rien n'empêche que tu dises. Attendez, je reprends mes cartes. Non ? Bon, Max. Oh, mais oh, si. Oh, l'enfer, ce gars. Tiens, ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour Marie. Allez. Une fois qu'on a fait ça. Oh là là, merci. 5. Je paye toujours tout, en fait. Dès que je peux, je paye. Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Je récupère 2 immunes soigneurs, je récupère un man. Oh là là, c'est tellement bien ce qui vient de se passer. Bah Marie, t'es bien en fait. Hein. Paye évidemment 4, mais comme bien sûr, mais tu fais le malin, mais en fait. Non, mais je fais le malin, mais je pense que. Et comme j'ai du vert et du bleu, j'en récupère 2. Je récupère un man 2. Contaminé et un immune. Il y a un monde où je le mets en protecteur quand même, celui-là. Hein. Oh, j'en ai déjà 8. À la fin de la partie, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'humains sains. Je gagne 3 de bouffe. 1, 2. La partie, celui qui gagne, 3. C'est moi. Non, en vrai, là, ça va être l'hécatombe. Je veux bien 3 batteries, s'il te plaît. Oh, ça va être horrible. 3 batteries. On peut essayer de péter des protecteurs contre de la bouffe, là ? Non. Jamais. On est parti. Une fois qu'on a activé nos machines, nos machins, nos trucs, on est content. On peut jeter nos cartes. J'ai pas de fléau. Est-ce que vous avez du fléau à mettre, s'il vous plaît ? Ouais, j'en ai mis 2. J'ai payé mes 4. J'ai récupéré mes 2. Est-ce que vous voulez baisser votre fléau en sacrifiant des manes ? J'ai pas de fléau. Ouais. Okay. C'est un mec pour 2 de fléau. C'est un mec pour 2 de fléau ? Oui. Sinon, tu perds 2 gars. Les gars, je les perds quand même. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez, s'il vous plaît. Il vous reste du fléau ou pas ? Alors moi, il me reste du fléau. Je vais perdre un mec. C'est marrant tout de suite ce qu'on va payer, là. Maintenant, vous payez, s'il vous plaît, un de bouffe. D'abord, on les sauve, c'est ça ? D'abord, vous les sauvez. Oui, d'abord, on les sauve. Putain, est-ce qu'on peut ne pas les sauver ? Non. 5, 6, 7, 8. Ça va être l'hécaton. 11, 12, 13, 14, 15. T'en as 15, toi ? J'ai 15 mecs, mais j'ai 19 de bouffe. T'as 19 de bouffe ? Mais comment ça se fait que t'as 19 de bouffe ? C'est que moi, j'en ai que 7. Bah moi, j'ai 21 aussi. Putain, je me suis fait payer. Eh ouais. Donc 19 moins 15, ça fait 4. Putain, je perds. 5, 6, 7, 8, 9. Je vais perdre 8 mecs. Ouh, c'est dur ça. Hein, ça fait le malin au début du jeu et ça perd 8 mecs d'un coup. Non, t'as pas de bouffe, t'es baisé, gros, tu perds tout. Ouais, ça fait le malin. Après, c'est bien, on montre. Ça montre que t'as pas du tout gagné. Ça montre que je remonte très bien. Puis effectivement, je te confirme que j'ai passé ma vie à ne pas te donner de bouffe. Hein. Dès que je pouvais, j'étais en mode. Tu vas bien crever. Donc là, on est bien. Bon, là, je vais forcément t'en donner. T'es content ?
Après, ça a été à toi aussi de me donner des cartes jaunes pour me forcer à te donner de la bouffe. Et chose que tu n'as pas fait. Ok. je pioche et on y va. Ou pas assez en tout cas. Effectivement, on pioche, on y va. Donc là, ça commence à être des cartes d'âge 3. Donc ça donne plus de fléaux, ça coûte plus cher. Voilà, c'est la sauce quoi. Alors, est-ce que je veux de la bouffe ? Toi, tu vas me donner du bleu ou du vert ? Quelqu'un, le nom du jeu dont Max avait parlé en émission récemment, le but est de retrouver son chemin dans une ville uniquement à l'écoute d'un audio, le suite à présenter. Trax. Dans... Trax, il est derrière moi. J'adore ces jeux-là. Ouais. Le jeu de... On te dit... Non, oui, bah Trax aussi, mais tu sais, on te donne un truc et tu dois deviner de quel jeu c'est. Voilà. Hop. Ah oui, d'accord, ce petit jeu. C'est bon. Attends, stop, j'ai triché, ouais, triché, je dois te donner une carte visible, je suis un fils de... Voilà, si j'avais pas... Si je... je ne prends pas de bouffe, maintenant, je pète un câble. Oui, t'auras ça. Je te le dis, t'auras ça, et du coup, tant pis. Oh là, qu'est-ce que... Oh là, Max Hildan. On devrait faire un petit sondage là. Est-ce que vous pensez que Rob va gagner ? Est-ce que vous pensez que Max va gagner ? Est-ce que vous pensez que Marie va gagner ? Ouais, je peux le faire. Qui va gagner cette partie ? Non, mais c'est toi tous les jours, je ça va. Le si elle me pose la question, c'est. Mais que... pas du tout, on sait pas. Franchement, on sait pas. T'as fait le malin. Regarde qu'elle saleté. C'est fou. Hop. T'es bien parti. Après, il m'a coupé la bouffe. Oh là là, je rêve. Tel Staline. Quel mytho. Ok, on va faire une petite prédiction, vous êtes prêts ? Ah, mais prédiction, non, c'est prédiction, deux. Tu peux pas parce que. Ah, c'est que deux mecs. Tu mets que deux personnes. Ouais, mais c'est pas grave. Bah, tu avais quoi dans la prédiction du coup ? Bah, lui et moi, parce que de toute façon. Non, en vrai, Max, il était en mode ouin, c'est horrible. Là, ça va, hein, il a bien revenu. Hein. En fait, mais c'est cool de voir que le jeu, qui du coup, te permet de. Ah, mais attends, on peut en mettre trois maintenant. Je crois qu'on peut en mettre trois. Je vois un slot en dessous, c'est peut-être moi qui me trompe. Qui va win ? Marie ? Non, mais en fait, non, je crois qu'on peut pas. Marie. Max. On peut pas en mettre trois. Ce sera. Si, on... ouais, ou Rof. Tu vois, on peut. On peut en mettre trois. Qui va win ? Vous avez. Une minute. Bah, c'est rapide, une minute. Oui, bah, le but, c'est pas de mettre 30 minutes et qu'ils disent ah, bah, il reste 4 secondes de jeu. Tiens, je vais changer mon vote. C'est pas faux. Ce sont les mecs qui sont là, ils votent. Oui, ils votent pas. Hein, là. Voilà. Vous allez-y, pouvez faites vos votes. Faire une prédiction. Bon. Une préconition, j'ai envie de dire. Oui. On révèle, je vais donner ça à ma droite, je vais donner ça à ma gauche, après, je vais garder ceci. Jusqu'à 9 choix maximum en prédiction, quand même. Ah, pas mal. Il y a du choix. Tiens, je te donnais du vert, ça te va ? Toi, tu voulais du rouge. Okay. En fait, j'ai fait sans toi. Alors. Ça va me coûter 8 quand même, tout ça. Parce que je vais clairement. Est-ce que je fais les deux ou pas ? Ou est-ce que je fais que elle gratuitement ? D'un côté, elle me sert ça. Oui, je vais utiliser les 8. 8 man. Bon. Je récupère 3 bouffes. 1, 2, 3. Je récupère 2 batteries. Je peux avoir 2 batteries, s'il te plaît. T'as plus de place, hein ? Si, il m'en reste encore. Je ne vais pas payer. Je vais faire qu'un seul effet. Batterie, je prends 2 fléaux. Et comme j'ai un bleu... Ensuite, un j'ai plus. Une carte rouge différente. Que je vais mettre en protecteur. Un. Voilà. Un. Je n'ai pas de fléau. Deux. Et je soigne 8 mecs. Mais c'est bon. Je fais clac, clac. J'ai 2 fléaux, mais je dépense un gars pour revenir à 0. C'est pas mal de pouvoir transformer quand même des mecs en petits jetons. Parce que... Et ensuite. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai on peut soigner. Man.
Moi j'ai soigné, j'ai pas de fléau qui... Il était où mon fléau là? Ah, il était à 2. Eh, on dit ça, mais Max, là, il est hyper bien. Oui. Ouais, non, j'ai eu qu'un de fléau on depuis le début. J'ai un doute là. Quoi? Je crois qu'on a pas avancé tout à l'heure. Bah là, on vient de les nourrir. Si, si, ça. On vient de les nourrir, t'as on perdu plein de man. Mais j'ai joué. Le chat? J'ai fait 2 tours, je pense. Max, tu as un jeton 5 bleu sur les... Non, non, c'est un 5 vert. Je sais, on dirait pas, mais... En fait, quand tu le retournes... Voilà. Je veux pas dire, mais là, il est vraiment devant, hein, Max. Hein. Non. Bon, je pense qu'on a oublié d'avancer. Eh bien, attends, c'est très simple. Tu as raison, oui. On a oublié d'avancer. Donc, on n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que vous perdez 3 soigneurs tous casser, un machin, et voilà. Ou un protecteur. On a tous les deux loupé le pot. On est des merdes. Sauf que du coup, il faut pas que je triche. Ouais. Ah, putain, il faut pas que je triche. J'avais pas de protecteur. Attends. J'avais ça. Là, je viens de jouer ça. Avant, j'ai joué ça. Il n'y a que moi qui mets mes cartes ici. Moi, je les mets là. Moi, je les mets là. J'ai pas souvenir si j'ai payé 5 et j'ai fait ça. J'ai pas fait les effets qui sont en dessous. J'ai gagné 2 mecs. J'ai gagné 2 mecs et je pense que je les ai mis là parce que je savais qu'on allait bouffer et que j'étais pas pressé. Et ouais, ok. Tant pis, je vais assumer ma connerie. J'ai pas de soigneur parce que je viens de le mettre ici. Mmh. Donc je perds 3 soigneurs. Donc t'en as 3 qui remontent. Comme ça, j'ai 3 qui remontent. T'en as 3 bleus qui remontent. Parce que du coup, j'ai pas pu les soigner. Non, c'est bon, parce que c'était après les avoir nourris. C'est juste que là, si t'enlèves tes 3 là, tu remontes 3 bleus. Et c'est bon. Oui, mais ça m'arrange pas. Ça. Pourquoi? Ah putain, ça casse les couilles, j'aurais tellement pas fait ça. Voilà, fallait pas miser sur Max. Mais non, mais il est quand même large devant encore. Regarde combien il a de mag par rapport à nous. C'est un enfer. Max, t'as vas-y, tant pis. T'as 15 j'avais mecs. Qu'à faire attention. C'est pour ma gueule. Allez. Allez, go. C'est vrai que tu respectes pas trop les protecteurs. Les protecteurs puent la merde. Bah, franchement, à la fin, ils sont oui, indispensables. Oui, sauf que, en fait, j'ai. Ouais, c'est pas ça. C'est, j'arrive pas à avoir des verres. Le peu de verres que j'ai, je les mets en soigneur parce que c'est prioritaire. Ah, on a mis 8 en soigneur, c'est quand même beaucoup. Vous avez combien de soigneurs mais... Moi, j'en ai 9. 8. Ah. Juste, désolé, j'ai été une salope toute la game sur les soigneurs, je fais comme je peux. Donc là, on retourne. Ouais. Mais attends, il me restait pas un mec vu que je l'ai pas mis en fléau là. Putain, je sais plus. Le chat, je l'avais ou pas le mec? Moi, tu sais ce que j'ai envie de te faire faire? C'est que tu lâches ton soigneur et tu récupères 2 manas. Tu lâches ton protecteur et tu récupères tes... Mais non, c'est pas la question. En fait, je ne sais plus si lui, je l'ai mis là ou pas. C'est ça, ma question. Je ne sais plus si je viens de le mettre là ou si je l'ai mis là. Et du coup, je ne sais pas si je peux le perdre pour garder 3 mecs ou pas. Fait chier, on a... Sinon, ça, c'était au tour d'avant. Hein. C'est au tour d'avant, ça. Hein. Là, on va avancer. Là, on va faire le tour. Truc. En gros, comme j'ai toujours un de fléau, je ne vois pas à quel moment... J'ai sacrifié, j'avais 2 mecs. Je ne sais pas à quel moment j'ai sacrifié le 2e. Tu viens de l'avoir ce tour-ci. Tu l'avais pas. Ok, je l'avais pas. Alors, next. Du coup, arrêtez de mettre ça là, putain. Non, là, c'est juste pour. Du coup, là, c'est tour suivant ? Oui. Ok. Donc là, on perd 3 mecs. Ou alors, un protecteur. On perd un protecteur avec Marie. Si on a perdu des mecs, ça veut dire qu'après, on va perdre soit de la bouffe, soit des batteries. Go! Ok. De toute façon, tu râles, mais à l'instant T, t'as plus de mecs que nous. Hein. Mais. Il fait son Xari là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais si, pourquoi tu dis pas du tout? Compte? Parce que je peux pas les soigner. Enfin, c'est... Je crois que vous sous-estimez de ouf les soigneurs. C'est... Mais bon, t'as 5, pas, hein, t'as 5 gars et t'as 5 sans soigneurs. Tu verras. Hein. Okay. Fais la game, tu vas voir.
Tu vas me donner du bleu ou du jaune, toi? Vert. C'est ça qui me baise. Je crois que ce qui me baise, c'est ça, donc il faut que je le provoque. Sauf que c'est trop tard. Ok. Donc, il faut que je joue autrement. Pour jouer autrement, on va faire ça, je crois. Il y a besoin de quoi, Rof? Il y a besoin de bouffe. Je crois que ça c'est, bien. C'est, je trouve que c'est bien de la merde. Voilà. Bien lui donner ça. Ouais. 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 Ok. Ça. Allons-y. Je suis pas sûr de mon plan. Tiens Marie. Allons-y. Tiens Rof. Tiens Max. Hop. Voilà. Je te donne 5 de fléau. Ben ouais. Bien ça le problème. En fait. Oh, merci, c'est exactement ce que je voulais que tu me donnes. Bah, je passe ma vie à te régaler. Mmh. Ça c'est bon. Et du coup. Tiens. Merci. Et du coup, je récupère 6 bouffes, ça fait du bien, putain. 11. Mais tu sais, je crois que la première fois qu'on avait joué, je suis à 2, oui. Je crois qu'on s'était pas pris les fléaux des trucs qu'on payait pas. Parce que je sais que la première fois qu'on avait joué, on montait jamais au-dessus de 2 ou 3. Alors que là, en fait, c'est trop facile. Tu bourrines le mec et tu lui fumes sa mère. Bah là, tu vas monter à 6. Hein. Oui, bah, j'ai compris, ça va. Bah là, tu vas monter là, à 6. Là, tu vas perdre. Hein. Hein. J'ai dépensé 6. Donc, moi, j'ai récupéré 2 mecs que je vais pouvoir dépenser. J'ai récupéré 6 gars. Et ensuite, j'ai des bonus. J'ai un bonus de bouffe. Ça, j'ai payé. Ça, je prends pas. Mais ça, j'ai un bonus de vert qui me fait un bleu. Protecteur. Je prends un même. Jaune, je prends une bouffe. Et jaune, je prends 2 bouffes. Et en plus, je vais rien pouvoir faire contre ça. On soit bien d'accord, je suis baisé. Il me faut de la bouffe au prochain tour, mais ça me paraît compliqué. T'inquiète. Je te passe ça tout de suite. Bah, tu peux pas vraiment passer de la bouffe. Hein. T'es vraiment pas. T'étais bien en partie, mais t'as plus rien. Hein. En fait, c'était l'hécatombe autour d'avant. Bah ouais, les 8 mêmes que t'as perdu. Tu vois, Max, il a quand même 14 mecs. Il n'aura pas de quoi arrête, les... Arrête. Je raconte n'importe quoi. Mais je raconte pas n'importe quoi. Et je vais voir les payer, mes cartes. J'ai pas 14 mecs. Vous êtes folle. Je vais les payer et je pourrais pas les soigner. Donc non, c'est un enfer. Je vais donc payer 6. Parce que je suis un con, je paye tout. Je prends de la bouffe. Je prends plein de mecs. Et on va voir si ça fonctionne. Ah oui, là, tu pourras pas tous les... Yep. On n'a pas raté un tour, là. Putain, encore ? Bah, en fait, il nous reste que un seul tour à jouer. Je vois qu'ils vont... Non, mais ça, c'est juste parce qu'à la fin, tu dois payer. À la fin, t'as plus de cartes dans les mains, tu payes que celle et ça. Non, tout va bien. Du coup, j'ai une carte bleue, une carte jaune. Donc, je récupère juste un man. Et c'est tout. Parce que j'alimente pas les trucs jaunes. On est type A, je récupère 5 fléaux. J'en descends de 2. J'en descends de 2. Je... En vrai, non. Je vais juste perdre 6 mecs. Je m'en fous, j'en ai plein. Juste perdre 6 mecs, vas-y, crevez. Mec. Moi, j'en sauve 9. Du coup, ils sont tous à la maison. Bienvenue à la maison, mes petits loups. Ok. J'aurais dû en soigner 5 avant, mais c'est pas grave parce que j'en ai plein. L'asturne. C'est vrai qu'il faut bien faire dans l'ordre hein, quand même, parce que sinon tu peux vite créer des petits bâtiments. Attendez, avant de piocher, il faut qu'on aille là-dessus. Oui. C'est moins 3 batteries. Ouais. Je crois qu'on s'en fout. Hein. Je crois que j'en ai vraiment plus rien à foutre. Hop. Moins 3 batteries ou un bonhomme. Mais en fait, on est d'accord que de toute façon, les immunes à la fin ne te servent plus. Ouais. Et là, c'est la dernière. Là, on va avoir des cartes, éventuellement avec des cartes. Des fléaux, ouais.
Ah, t'as quand même, j'ai quand même potentiellement 4 fléaux. Vas-y, moins 3 batteries, donc déjà celle-ci, je peux l'enlever. Tu récupères quoi? Jaune? Tu vas pas me fier du jaune parce que t'es un con. C'est vrai que je suis un con. Je vais retirer du jaune. Hein. Ah, du jaune ou pas. J'enlève 3 batteries. J'enlève 3 batteries aussi. Et je pioche mes cartes. Je n'ai pas fait en fonction de mes cartes, évidemment. Là, j'ai quoi? J'ai bleu ou. C'est pas si nul. Je suis prêt. On butera des mannequins, là. Eh bah, ben. À la fin de ce tour. Et les fléaux, ça compte même. On butera des mannes. Non, on butera des mannes à la fin de ce tour. Et. C'est pas à la fin du jeu aussi. Putain, pourquoi j'ai des doutes comme ça? Je les avais en tête, les règles. Je suis nul. T'es malade, tu n'es pas nul. Ouais, je suis une merde. Ouais, on peut attirer l'autre. Hein. Oh. Toi, t'es bien parti pour gagner quand même. Hein. Tu vas me donner du vert ou du bleu? Tu veux quoi? Je sais pas. Non, en fait, je me demande si on n'a pas merdé. Rof, t'as 4 kilos, mais j'ai pété 2 mecs. En fait, je me demande si quand on a avancé de 1 de plus, en fait, il n'y avait pas besoin. Parce que là, en fait, on va se retrouver là. Et normalement, on est censé jouer avec les cartes qu'il y a là. Oui, bah on va jouer. Bah non. Donc je crois qu'on a avancé d'un tour de trop. Bah on jouera. Après, on jouera, on tourne ça? Non, parce qu'en fait, avant d'y aller, on va le retourner, on va falloir nourrir les mecs. Et ensuite, on va jouer, on va renourrir les mecs. Ah bah non. J'ai un petit doute. C'est pour ça que je te dis que je crois qu'en fait, on a merdé, qu'il fallait pas avancer de 1, et que du coup, je perdais pas 3 mecs, et que machin, et bref. Mais il me semble, moi... Je crois qu'on s'est auto-baisé. Il me semble, moi, vraiment, qu'on a quand même raté un tour d'avancement. Je crois pas. Genre, je me souviens... Manifestement, en fait, non. En fait, non. Bon, je veux pas, pas dire de bêtises, mais... Bien la fin. Ouais. Mais est-ce qu'on rejoue avec le fait qu'on pioche pas? Est-ce qu'on rejoue sans repiocher? Ça, t'es sûr de ça? Je vais vous le dire maintenant. Je vais vous le dire maintenant. Blablabla. À la fin du tour, débarrassez-vous des 2 cartes zone d'action qui ne serviront plus. Ça, c'est écrit en fait, c'est précisé à un moment qu'à un moment on va jouer, on n'aura plus de cartes en main. C'est écrit. Faut juste que je le retrouve. Putain. Pour savoir où est le bateau, comptez les cartes défaussées. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Non, ça c'était pas les cartes défaussées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, en même temps, c'est normal, j'en ai 4 ici. Il y en avait 24 au départ. Donc 20, ça veut dire qu'on a fait 10 avancées. Ouais, et normalement, il y a 12 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, voilà, on a avancé un de trop. Et donc, je perdais pas 3 mecs et dans machin et dans truc. Ça casse les couilles. Évidemment, ça change tout. J'aurais gagné cette game. C'est ce que vous noterez à la fin. Voilà. Ta faute, ça. En l'occurrence, c'est de la tienne, mais en même temps, si j'avais été sûr de moi, je t'aurais dit oui, non. Oui, ça, moi j'ai juste dit, j'ai l'impression qu'on a fait 2 tours sans avancer. Eh bien non, j'ai le seum. J'ai le seum. Rollback de 6 tours. Attends, et du coup, j'aurais eu un protecteur, et du coup, j'aurais pas eu le fléau et tout. Putain, ça change tout. Du coup, n'allez pas voir le match et on refait une game juste après. C'est mort. On fait ça. C'est mort. Après, le but, c'est de vous montrer le gameplay du jeu. Et voilà. Et vous noterez que j'aurais gagné. Voilà. Et ça va ça, parfaitement. Non, bah, si. Non. C'est quoi, on verra combien ça se joue. C'était quoi les pourcentages? Tu les avais? Ouais. Alors je sais pas, je sais plus comment on fait. Ah. Quels sont les résultats de la prédiction, les amis? On est d'accord dans le chat. J'aurais gagné. Non, on n'est pas d'accord du oula, tout. Oula. Mais voilà. 56 pour Marie, 23 pour Max, 21 pour Off. Eh bien, vous auriez tous perdu. Cœur, vous dommage, avez les gars. Ça fait plaisir. Dommage.
Non, mais pas dommage, vous avez bien raison de voter pour moi. Allez, terminons cette game. Oh là là. Bon, du coup, on revient ici ? Bah non. T'as déjà perdu, t'as déjà perdu tes batteries. Oui, mais ça, les batteries, on peut les remettre. Ah ouais, en fait, il faut... Et juste, Max, est-ce qu'il n'y a pas moyen de te reward un peu, quoi ? Le rollback est trop vénère. Récupère au pire au moins les trois mecs. Ouais, voilà. Tu récupères, tu sais quoi ? Tu récupères trois mecs là et tu récupères trois mecs ici. Je pense que c'est bon. En fait, ça veut dire que je perdais pas trois mecs là. Ça veut dire que je perdais ce mec là. Ça veut dire que du coup. J'aime bien les rollbacks. Oh, putain. Ça veut dire aussi que j'en perdais pas 6 ici. Hein ? Ça veut dire que j'en perds 15. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça veut dire que j'en récupère 5. Bah si. Ah bah si. T'en aurais pas perdu. T'en aurais quand même perdu. Parce que ça t'en enlève que de 2, ton protecteur, ça t'en enlève pas les 5. Hein. Protecteur, ça m'enlève 2. Oui, sauf que. Oui. C'est ça. Ouais, donc, t'as raison. Ça, je les prends. Doucement. Oui, mais non. Mais si. Attends. T'avais quand même le truc que moi je te mets. Je te mets un 5 en truc. T'es à 6. T'as raison, j'ai pas de protecteur. Voilà, on ça est d'accord. Ça me va. T'as raison. Je vais pas tricher. T'as raison. Ça me va. Et du coup, j'ai récupéré trois mecs là. Et du coup, je suis censé en avoir soigné trois de plus. Aussi. Oui. Voilà. Bon, de toute façon, je pourrais pas les nourrir. Allez. Du coup, on fait ce tour. Oui. Putain. Et vous, ça a rien changé, le fait que. Bah, si, moi, je parce que vous aviez des protecteurs. J'avais de la bouffe en plus, là, j'en avais. Ouais, j'avais 100 de bouffe en plus. Ça, ça ira non, à en droite. Vrai, si. En vrai, on a du coup sacrifié un protecteur de trop, nous. Non, parce que vous l'auriez quand même sacrifié pour pas perdre vos soigneurs. Donc, non, c'est bon. Non. Mais en fait, moi, pourquoi ça a tout changé ? Le fait de reculer fait que du coup, il y a quand même un protecteur qu'on n'a pas. Ah non, parce que non. C'était les batteries. C'était les batteries, ah. Et t'as enlevé tes batteries. D'accord. Tu peux récupérer tes batteries si tu veux. Putain, les roughbacks, c'est un enfer. C'est un enfer, non, en même temps, si je le fais pas, je me fais baiser. C'est quoi cette merde là ? C'est ce que je viens de te donner. Attends. Je suis pas censé le voir, frérot. On est d'accord que là on est dans la dernière. Attends, mais on a fait notre sélection ? Bah non, du coup, on est revenu en arrière, mec. Ah, moi j'ai pas fait ma sélection encore. Ah, oui. Ah, du coup, c'est quoi les cartes que j'ai mis là ? Bah, c'est à dire que vous avez foutu seul. Il a joué tout seul. On n'a pas encore joué, nous. Non, on n'a pas joué. C'est bon, bah allez. Ouais, bah. Bon. Toi, tu me passes quoi, du coup ? J'en sais rien, Taras. Tu verras. C'est bon. Montre-moi les deux cartes. J'ai vraiment pas vu ce que tu m'avais mis. Franchement, je me rappelle plus. Mais le problème, mes deux putains de cartes. Mais le problème, c'est que je ne sais pas lesquelles c'est. C'est là où tu me fais chier. Ouais. Je suis désolé, mais... Bon, vas-y, on s'en fout. Je sais pas. Avançons. Je sais plus, gros. Ça, c'est ce que je te donnais, et ça, c'est ce que je gardais. Le problème, c'est que je sais pas lesquels étaient visibles devant moi, donc... Est-ce que moi, je peux poser une question, quand même ? Après le dernier tour, on le joue avec quoi, du coup ? Est-ce qu'on pioche pas de cartes ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Non, si elle a raison. Tu joues qu'avec les deux qui sont devant toi. En fait, il y en a une que tu donnes, une que tu gardes, et il y en a pas que tu donnes à droite. Aye. T'en donnes pas à droite. Il faudra que avec les deux que t'as devant toi. En fait, si, je pense Rof. Donc, attends. De toute façon, j'avais prévu de jouer ça. Je pense que ça. Bon, je vais pas regarder ce que tu me dis. Ça, c'était la mienne. Voilà. Et donc, vu que ça, c'est ma carte. Ouais, j'avais prévu de jouer ça. Je pense donc que c'est celle que j'ai piochée. Et donc. Juste Marie. En gros, toi, t'avais le choix entre ça et ça, mec. Voilà. Fais-moi rêver, s'il te plaît. Il y a une carte qui m'intéresse beaucoup, une je carte passe beaucoup ma vie moins. À te faire rêver. Non, mais un peu plus, parce que là, c'est pas terrible. Non. Tiens. Voilà, Rof. T'as le choix entre ça et ça. Ok. Bon, de toute façon, j'ai fait mon choix. Je vais du coup passer à Marie cette carte. Allez, fais-moi. C'est quoi ? Stratégiquement, ce sera ça. Allez. Donc, j'en ai plus rien à foutre. Tu prends ça. Et moi, j'ai ça qui va chez Marie. Donc là, jusqu'ici, on est bon. J'ai récupéré mon play. Ah, je suis désolé dans le chat, j'aime pas hein, quand une game comme ça est pas propre. Je déteste ça. J'aime quand Ah, merci. Des rôles sans accro, ça c'est pour Maxilda. C'est tout ce que je ça, voulais. Je passais mon temps à te faire du bien et ça c'est cool. Je vais du coup arriver. Ah, attendez. Attendez quoi ? Comme il reste plus que deux tours. Non, c'est pas un rollback.
Jusqu'à combien il reste plus que deux tours. Là, on va prendre le temps de faire joueur par joueur. Okay. Parce que c'est là que ça va déterminer qui gagne, qui perd. Donc, on va y aller. Bon. Est-ce que je paye 9 ? Oui. Je paye 9. Donc, quel enfer. Il va avoir 10 fléaux. Ouais, mets des 5. Je mets des 5. Et donc, je paye 5 et 4. Voilà. Effectivement, je vais avoir 10 fléaux. Quel enfer. En même temps, je peux rien y faire. Donc, c'est la vie. Je vais quand même gagner 4 verres. Je vais quand même gagner 4 verres que je vais tous mettre en protecteur. Nuneux, ça sert pas. Du coup, moi, pardon, mais j'ai mes batteries. Ah bah. Ok. Je gagne 2 batteries supplémentaires que je vais mettre. Vas-y, ici, logique. Je gagne pas la bouffe, je gagne pas les mecs. Par contre, comme j'ai du rouge et du vert, je vais donc gagner un protecteur. En vrai, tu devrais pas les mettre là parce qu'on a plus de jaune. Tu devrais pas les mettre là parce qu'on a plus de jaune. Pourquoi elle a pas de carte ? En fait, si je mets des batteries là, frère, de toute façon. Pourquoi elle a pas de carte ? Ah oui, donc c'est bon, il y a du jaune. Voilà. Et une verre, donc je gagne un man que je vais mettre ici. Voilà. Et là, évidemment, j'ai eu tous les verres au dernier tour, ça et dégoûte. Si je peux me permettre, tu peux te rajouter 4 fléaux également. C'est pas à ce moment-là du jeu. Ah bon ? Oh bah. Ouais. Non, c'est après. Non, c'est après. On est sur qui ? Non, parce que d'abord, il faut soigner ces mecs, après, je t'ai dit. Sur WAM ? Ouais. Ok, parfait. Je récupère 7 man. Vas-y. Alors, d'abord, je paye ici. Ah, d'abord, ouais, voilà. Faisons alors. Je fais dans l'ordre. On paye. On récupère 7 man. On récupère des mecs. Comme ça. Puis, on active ces machines. Non, puis je récupère 3 bouffes parce que c'est la même couleur. 1, 2, 3, j'ai 15 bouffes. Puis, je récupère 2 man que je vais évidemment mettre. Alors, en fait, il faut hésiter. On est d'accord que là, il va y avoir une phase de fléau. Donc, je vais virer mes 3 man. Je vais avoir envie d'éviter les battes. Bon, au moins un gars, c'est sûr. Et l'autre, est-ce que je le mets ici ? On est d'accord qu'en fait, là, on aura une autre phase où on va récupérer nos man. Hein. Enfin, non, phase où on va récupérer nos man et une autre phase où on récupérera nos man. Bon, je pense que le mettre là, c'est OK parce que je peux éventuellement avoir du fléau. Oui, il y aura du fléau. C'est bon. Marie. OK. Alors, moi, je vais prendre 8 man. T'as payé ? Paye non. D'abord. D'abord. Paye. 5, 6, 7, parce que je fais les deux. Ok. Je récupère 8 man. Ok. 3 bouffes. 1, 2, 3. Une batterie. Je veux bien une batterie, s'il te plaît. La Marie, elle a full bouffe, full batterie. Merci. Ouais, elle est pas mal, Marie. Hein. Plateau, hein. Donc ça, t'as dit qu'on le faisait plus tard. Ouais. Donc je viens de tout faire. Donc c'est bon. T'as tout fait, c'est bon. On soigne nos man. Donc... J'en soigne 9. Quel enfer. Attends, non. J'en soigne 5. Ok. On soigne nos man. Puis, on fait monter le fléau. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, on peut faire baisser le fléau. C'est 2 par mec? Et c'est le fléau, c'est on perd quoi ? On perd n'importe quel man ou on perd du sain et sauf ? On perd quoi ? Tu perds du... Ce que tu veux ? C'est ce que tu veux, non ? Tu peux perdre du... Le fléau, tu perds... Ouais, en général, tu sacrifies d'abord des contaminés. Sachant qu'après, on va rejouer. Parce que de toute façon, je pourrais pas tout nourrir. J'en ai déjà 20. J'ai que 20 bouffes. Et une fois que vous êtes bon, eh bien, vous allez jeter vos cartes ici. Vous allez récupérer vos cartes de sélection, vous allez en donner une à votre voisin de gauche et une pour vous, et c'est tout. Car le dernier tour, on le fera sans rien d'autre. Vous avez fini ? Ouais, non, C'est bon, 3 fléaux, tu redescends à 0. Ça, ensuite, attends, là... Attends, descends ton fléau. Je descends mon fléau. Voilà. Ensuite, on avance. Attends. Je vais faire une fois, je vais faire 1, 2, et je vais perdre 3 gars. En fait, j'avais marre de rollback, donc on va faire dans l'ordre propre, parce que quand on fait chacun en même temps, c'est un enfer. Hop. On arrive ici, on peut... Trois batteries ou un protecteur. Attendez, j'avais oublié de faire... Ah non, j'ai rien dit. Si, j'avais oublié... Là, quand il y avait un fléau et différent... Ouais, ça marche. Ça marche parce que tu as rempli ta batterie avec tes cartes. Donc, oui, mais donc du coup, ça c'est... On s'en fout si les cartes sont pareilles. Oui, on s'en fout, donc tu peux récupérer 2 mecs. Moi, ce qui est sûr, c'est de toute façon, je vais virer 3 batteries, ça ressort. On va virer 3 batteries, c'est sûr, tu as raison. Oui, les batteries... Je m'en fous. Hop.
C'est quoi après? C'est en celle-ci. Vous enlevez celle d'en haut là, hop, que vous défaussez. Celle-ci, il y en a une pour moi et une pour Rof, c'est ça? Et là, t'en as une pour toi et une pour Rof. Non, une pour moi et une pour toi. En fait, tiens, je sais exactement ce qui va se passer là. Puisque là, toi, là, tu vas me donner du jaune, moi vert, je vais te donner du vert, et toi, tu vas lui donner du vert. Donc en fait, je vais retirer les trois. Donc on sait qu'on n'aura pas de truc. Donc moi, je sais que j'aurai une jaune et une verte, donc je vais garder. C'est vrai que ouais, du coup, j'aurai une jaune et une verte aussi. Donc en fait, j'aurais pas dû garder ces batteries-là. Je vais le faire un peu plus intelligemment. Vous avez bien raison. Voilà, donc moi je vais récupérer. Ah, je peux pas activer les deux, cela dit. Toi, tu vas me donner une des deux, là, je peux voir? Ouais. Ok. Laquelle? Ça. Et du coup, j'aurais forcément. En fait, c'est exactement la même chose, mes deux cartes. Comment t'as fait pour perdre tes 10 fléaux, toi? Bah, j'ai sacrifié 5 mecs. T'avais 5 verts? J'avais 5 protecteurs. Et oui. Alors, montre-moi tes cartes, s'il te plaît. Merde, mais je suis con. Ok. Donc, tu as. Je me fous de ça. En fait, ça ne change putain de rien. Donc, en fait, ce que je décide, c'est juste qu'est-ce que je donne à Rof. Rof, il va forcément avoir double vert. Donc, en gros, c'est est-ce que je lui donne des manes ou est-ce que je lui donne de la bouffe. Je crois qu'il faut évidemment que je lui donne des manes. Oui. Et que je garde ça. On y va. Tiens, mon bon Rof. Tiens, mon bon Max. Et on va refaire chacun son tour. Bonjour. Alors. Et on se dépêche avant que le match commence dans 8 minutes. On est parti. Je vais évidemment payer 6. Je vais récupérer 2 mecs que je vais mettre en protecteur, puisque je vais devoir les sacrifier pour enlever le fléau. Je vais récupérer 4 de bouffe. Je suis très content. Et c'est tout. Mais je vais activer 7 machines, puisque j'ai du jaune et un différent qui me donne 1 de bouffe supplémentaire. J'ai donc 19. Fin. Off. Alors, est-ce que tu payes 8? Justement, j'hésite. En fait, là, en gros, si jamais je paye 8, ça me... on est d'accord que là, c'est le dernier truc qu'on va remettre nos manes ici. Donc, en fait, je suis un peu baisé si je paye 8, parce que je vais récupérer en plus 4 mecs. Donc, j'aurai beaucoup trop de mecs ici. Après, si j'ai beaucoup trop de mecs ici, ça veut dire que je peux éventuellement faire que j'en ai 2 là. Non, je crois que ça suffira. Là, actuellement, j'ai quoi? J'ai 15 de bouffe. Je suis assez curvé, quand même. Hein. En fait, c'est sûr, c'est que je... En fait, ça ne change absolument rien, ce que je fais, je crois. Ça ne change absolument rien, ce que je fais. Je vais récupérer juste un mec. Et là, en fait, je récupère des mecs en plus. Ici, c'est peut-être pas mal. Donc, en fait, là, si je récupère 2 gars... Je récupère 2 gars, mettons que je fasse ça. Et que donc là, je récupère 4 mecs. Alors, les 4 mecs vont être ici. 2, 3. Je dis, mon plateau est magnifique. Je suis très bien, moi. Je sais pas si je gagne, mais mon plateau est magnifique. Et en fait, si je fais ça, du coup, je récupère tout, mais j'ai pas assez de bouffe. Alors que si jamais je repaye 4 mecs, en fait, j'ai récupéré 3 bouffes. Bah, pardon, mais pendant que tu réfléchis, on va regarder le play de Marie. Ok. Alors, moi, je vais donc payer les 6. Hop, je les envoie ici. Donc, j'ai payé mes 6. Je gagne donc 4 de bouffe. 1, 2, 3, 4. Je vais bien récupérer un 10 en plus, s'il vous plaît. Tiens. Merci. Ensuite, je prends un man que j'ai prévu de mettre ici. Ok. Ok. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant, du jaune et du vert. Je vais pouvoir avoir un man en plus que j'ai prévu de mettre là. Et je vais pouvoir 3 bouffes. 1, 2, 3. Tu as fini. J'ai fini. Rof. Ok, donc en fait, je vais faire cette carte-là. Vas-y. Cette carte-là me permet de mettre paye 4 mecs qui... Donc je paye rien, puisque du coup, je fais d'accord, qu'une seule carte. T'as raison. Je fais qu'une seule carte ici. Je rajoute 2 mecs, 3 bouffes, 1, 2, 3, je suis à 18. Et en fait, les 6 mecs que j'ai là vont venir ici, ce qui va me faire marquer à peu près des scores. Je crois que j'aurais pas eu mieux en faisant l'autre. Bref. Est-ce qu'on est bon? Vas-y. Oui. Alors, on jette nos cartes et on rajoute le fléau qui est dessus. Moi, 0. Toi, 4. Ok. On soigne nos mecs, et là c'est magnifique, parce que j'ai 9 mecs à soigner, et que j'ai 9 soigneurs. Donc tout pile,
J'ai tout qui descend là. Moi, j'en ai un qui saute. Allez, comme c'est beau. Il se trouve donc que j'ai 19 mecs et que j'ai 19 de bouffe. Parce que maintenant, vient le moment de nourrir. Et que donc, j'ai tout pile de quoi nourrir tout le monde. Oui, attends, avant de faire ça, il faut faire le fléau. Hein. Oui, bah, je sacrifie 2 mecs qui m'enlèvent 4 de fléau. Je suis à 4 de fléau, du coup, je termine à 0. Mon plateau est incroyable. Si, c'est bien. Okay. J'avais 4 de fléau, 2 mecs, 19 mecs, 19 de bouffe. C'est vraiment curvé à l'infini. J'ai peut-être pas gagné, mais c'était curvé. Eh bien, moi, j'ai 24 bonhommes, j'ai 26 en bouffe. Du coup, il me reste 2 en bouffe et je peux tous les nourrir. Eh ben, bien donc, tu as 26 points de victoire. Oui. Bravo. 24. Et ben moi j'ai pile 18 pour nourrir 18 mecs. Et donc j'ai 18 et donc je suis la salope du game alors que j'avais prédit l'inverse, comme quoi je suis pas un très bon pression. Cela dit, dans les prédictions que vous avez faites, et bien vous avez gagné parce que vous aviez dit que c'était Marie qui allait gagner. Il se trouve qu'elle a gagné. Vous c'est aviez. Ouais. Et je suis très contente, désolée Rof, mais je suis très contente que Rof n'ait pas gagné parce qu'il était mille fois mieux parti que nous. Ça prouve que c'est pas trop simple. Ah ouais. Et donc du coup c'est hyper cool de voir qu'on a pu remonter et qu'on s'est pas laissé abattre et qu'au final il termine dernier quand il même. Il a fait trop de verre trop vite je pense. Et, Non, en fait je pense que ce qui m'a... C'est le tour où t'avais pas de bouffe, où t'as perdu 8 mecs, c'est ça la, qui est la manche ici, où je récupère pas de bouffe, peut-être que c'est ma faute, hein, peut-être que j'aurais pu mieux jouer pour avoir de la bouffe. J'ai la prédiction. Mais clairement, le fait que je perde... J'ai perdu 8 mecs. Ouais, 8 mecs. Manche 2, bah oui, forcément ça m'a... Ouais, ça a fait extrêmement mal le fait que tu aies pas de bouffe là-dessus. Il faut équilibrer. Il faut avoir, effectivement, moi j'ai l'impression qu'avoir 7-8 soigneurs, ouais, c'est bien. Pouvoir, ça sert à rien d'en avoir beaucoup plus. Après tu payes. Tout voilà. Après voilà, tu peux tout payer tout le temps, tout activer, donc t'es bien. Avoir tout le temps un ou deux protecteurs, c'est bien au cas où t'as un truc vraiment chiant qui arrive sur la route. Ouais. Puis vers la fin, t'es content d'avoir des protecteurs pour enlever le fléau. Je crois que nous, on n'avait pas joué comme ça vraiment. Ouais, je crois qu'en fait, on n'ajoutait pas le fléau des cartes qu'on n'avait pas payées. Ouais. Du coup, on montait jamais au-dessus de 2-3. Du coup, on s'était dit, bon, en fait, les protecteurs puent la merde, ça va rien. Sauf qu'en fait, non, c'est vraiment un jeu où il y a de l'interaction entre les joueurs. Et tu peux, que le mec le veuille ou non, lui foutre du fléau dans la gueule et le forcer du coup, à mettre des protecteurs et du coup lui faire perdre des tours. Ça fait mal, c'est important d'en avoir parce que tu te rends compte, le truc où tu perds 3 médecins si t'as pas un protecteur, c'est. Ouais, clairement, c'est vénère, hein. Celui-là, il fait trop trop mal. Comme tu disais, au bout de 6-7 mecs, tu peux commencer à foutre des protecteurs. Ouais. T'as quand même cette machine-là qui va très vite aussi t'en mettre. Et à la fin, c'est bien d'en remettre, parce qu'à la fin, tu commences à avoir beaucoup, donc d'en remettre un peu là, sur la fin, pour marquer des points, why not ? Un jeu qui dure une soixantaine de minutes pour 2 à 4 joueurs. D'ailleurs, je me suis trompé dans le « c'est pas si compliqué », j'ai dit que c'était de 1 à 4 joueurs, j'ai menti. C'est 2 à 4, il n'y a pas de mode solo. C'est pour les 12 ans et plus, c'est chez Ludonote, ça s'appelle « Précognition ». Et si vous avez kiffé ce jeu, eh bien, sachez que vous pouvez le retrouver chez Play-In à moins 10% avec le code « Dimanche ». À vous de décider si vous voulez avoir le jeu au pied du sapin ou pas. Traînez pas trop quand même parce qu'il y aura beaucoup de commandes de jeux de société pour Noël. D'ailleurs, on va pas tarder à vous faire une vidéo avec Rof pour vous donner notre sélection. Je sais pas si Marie, tu veux participer à ce truc, mais ça nous ferait plaisir de t'accueillir. 2022. En général, on fait le top Rof, le top Max et du coup peut-être le top Marie. Bah, et on a peut-être quelques éditeurs qui vont sponsoriser cette émission. Comme on l'avait fait l'année dernière, évidemment, ça ne leur permet pas de monter dans notre top à nous. Ça leur permet d'avoir leur propre top à eux. Du coup, bah, par exemple, s'il y a Yellow, Asmodee ou d'autres qui participent, eh ben, on fera un top par éditeur avec que des jeux de cet éditeur. Donc, okay. Du coup, nous, ça nous permet de rester totalement transparent avec vous et eux, ça leur permet quand même de mettre plein de jeux en avant. Tout le monde est content et ça, c'est comme ça que ça marche. Les amis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission sur Précognition. On remercie Ludonote qui a sponsorisé ce live. La VOD arrive mercredi. Sachez que la VOD du JDR de vendredi, elle est déjà dispo sur YouTube. Vous pouvez tout de suite aller la voir. C'était sur le jeu Critical, Critical, si vous le dites en anglais, dont la suite arrivera du coup vendredi prochain à 20h30. Nous, on va aller se mater le match. Peut-être que vous aussi. Je ne sais pas. Oui, voilà. Ceux qui veulent font ce qu'ils veulent. Voilà. Exactement. On vous fait des bisous. En tout cas, on est à la minute près. C'est parfait. Toi, on te retrouve sur ta chaîne perso le soir vers 23h pour du snap. Effectivement. Oui. Toi, on te retrouve en ce moment, tous les jours, sur Twitch de 11h à 12h30. Je tweete sur du jeu de société et je fais gagner beaucoup de jeux et on fait beaucoup de jeux. Donc, marie.grd.jeu sur Twitch tous les matins à partir de 11h. Bah,
Voilà. On arrive à tenir cet horaire. C'est ouais. Ça, vous avez encore plus de contenu jeu de société. Tout le monde est content. Ça, c'est merveilleux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On vous fait des bisous et à très vite pour une prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao les BG.